Second poteau, Pavard. This is Sparta! T'arrives à un boulot pour moi? Ok, alors appelle-moi de l'eau. Ok, ah, en italien. Ciao, comme est-ce pas? Alhamdulillah. Ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé là. Je vais te faire exploser ta puce. Je t'ai vexé là. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Putain de merde. Eh ouais, Radio Hali, samedi, 23h. Ouais. Il a 40 ans, il a pas de dents, il habite chez ses parents. Yes. On est là ou on n'est pas là. Allez, on applaudit la roue la plus sauvage de France. La fête de ma grand-mère. Yeah. Je suis en retard, tiens, sus. Je t'emmerde. Rien à la foutre, moi. Attends. Ouais, exactement. Mesdames et messieurs, on applaudit la nouvelle équipe de Modo. Ah là 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 là. Mes frères, c'est normal. Vous êtes chez vous. Mentor, Sebol, Yasmine, l'astronomie. Putain, on les applaudit. Ouais. Big dédicace à la base de base. Yavol, Air Général. Alors non, messieurs, je vous ai pas grillé. Hein. Mais non, je veux juste que vous les collez contre les murs comme Spider-Man, faut de la visque. Mangez des pistaches. Si tu veux détromper ce test, noix de cajou ou pistache. Moi j'aime, moi, ici. Tu manges tout par du genou, mon ro. Là, 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 ta 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 ta. Oh là, là, bien. Ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Bordel de Bordeaux. Sinon, à part ça, comment ça va? Les choses se passent? Bien? Impeccable? Allô? Allô? Célène? Oui, Célène, Bassem, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Ouais, Bassem, voilà, je voulais t'appeler. Je voulais parler d'un petit sujet. Je sais pas si t'as un sujet ce soir. J'ai pas de sujet, mais j'aimerais qu'on parle un peu de tout. Un peu de rien, parce que l'heure est grave, ouais, frère. Wallah, ça vient. Ouais. Bon, bref. Je t'écoute. Par rapport à quoi, non? Par rapport à quoi, l'heure est grave? Bah, tu m'appelles, tu sais pas quoi me dire, toi, en vrai. Ah, c'est ça ou pas? Non, là, oula, j'ai un sujet, moi. Eh ben, lequel? Envoie-le. Allez, envoie ton sujet. Mais en fait, je voulais parler de... Il n'y a pas longtemps, t'avais parlé de rap, et t'avais parlé plus précisément du groupe PNL. Du groupe PNL? Ouais, tu disais, ouais, voilà, c'est un mystère pour toi, etc. Bah, moi, ce soir, j'ai envie de t'enlever un mystère. J'ai envie de te dire que... Tu vois, comment on appelle ça, là, un des chanteurs. Tu vois, moi, j'ai fait un master, tu vois. J'ai fait une école de commerce. Et en fait, tu vois, ces mecs-là, c'est des mecs, tu vois, issus de... Tu sais, qui ont fait des études, issus d'écoles de commerce, tu vois, à 7000 euros l'année. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est pas ce qu'ils chantent dans leurs chansons, tu vois. Bon. Moi, je vais te dire une chose. PNL... Je les connais pas. Je les écoute pas. La seule fois où j'étais obligé de les écouter, c'est quand j'étais au Hebs. Par les fenêtres, sache qu'il y a des sons qui passent en prison. Jules, c'est quelqu'un qui passe énormément en prison. PNL, c'est des gens qui passent énormément en prison. PNL, moi j'ai compris une chose. La tête de ma grand-mère. J'étais par la fenêtre un jour... C'était un dimanche, il faisait 30 degrés. J'étais en terrasse, c'est comme on dit là-bas. Viens à la terrasse, ça veut dire viens à la fenêtre. Je fumais un chnouf et j'écoutais. Da, da, da. Et je dis, mais c'est, y a aucune parole. Mais le son, il était entraînant avec le chnouf. C'est diabolique.
Moi, PNL, je respecte leur travail. C'est des artistes, j'ai rien à dire. Wallahi l'adim. En attendant, c'est pas dans les clips de PNL que tu vois des gens twerker, que des vents. Non, moi, je respecte. Mais. Je vais même te dire une chose. C'est que Nabil, sûrement, il doit t'écouter, il doit se reconnaître. C'est un gars très bien. Je l'ai côtoyé à l'école. C'est pas un mec. Tu vois, c'est un mec qui est très. C'est plutôt, c'est bizarre, mais très réservé, tu vois, qui parle pas pour rien, etc. Alors, moi, je vais te dire une chose. J'ai eu l'occasion, de les croiser. Ouais. Quand Allah m'en soit témoin, je les ai pas reconnus. Il y en a un qui m'a reconnu. T'es tout. Ah, d'accord, et tout. Eh ben, ils s'expriment très, très bien. Ils parlent très bien. Quand tu parles avec eux, tu sens que les gens, ils sont partis, tu vois, à l'école. Après, peu importe. Qu'ils inventent leur vie. Non, ils vivent dans une cité. Ce que j'aime pas, c'est d'engrainer les petits. Moi, l'engrainage des petits, tu vois ce que je veux dire ? Ils ont fait des études et derrière, tu vois, il y a des petits qui les écoutent et qui prennent pour argent comptant leurs paroles. C'est juste ça que moi, je pourrais leur reprocher. Pour le reste, ils mentent sur rien. Et c'est un gars bien, franchement, il a la main sur le cœur. D'ailleurs, je l'ai vu. Samir, ça fait 3 ans. Samir, ça fait 3 ans que tu me grattes des knoufs. 3 ans que t'es dans ce room. T'as jamais de feuilles, t'as jamais de clope. Et tu veux te poser avec nous. Tiens, mon knouf. Tiens, mon boule. Tiens, sale ponceur, va. Wallah, et c'est toi le premier en été. Tu rentres au bled. Sale merde, Samir, je te dépanne rien. Dépannez-lui rien à Samir. Faites qu'une nuit tournée de clope, ni rien du tout. Ouais, frérot, allô. Il y a un mec qui s'appelle Mac 944, là, qui a laissé un commentaire, il a totalement raison. Il a dit l'école dans laquelle ils étaient, d'ailleurs, j'y étais aussi. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y avait, même dans l'école, tu vois, il y avait. Bref, je veux dire, en ce moment, tu vois, le rap, ça s'est trop démocratisé. En fait, avant, c'était vraiment quelque chose qui était cantonné aux banlieues, des mecs, voilà. Qu'est-ce qu'on peut reprocher à PNL ? Moi, c'est pas ma génération. Je les écoute. Non, franchement. Mais qu'est-ce qu'on peut leur reprocher ? Moi, le seul truc que je peux reprocher. Allô, excuse-moi, Bassem, je t'ai coupé. Allô ? Non, c'est. Ah, oh, Sarah, arrête de donner à Samir, il va plus te lâcher après. Bref. Vas-y. Donc, dis-moi ce que tu peux leur reprocher. C'est quoi ? C'est juste le fait d'engrainer des petits, alors que eux, tu vois, ils ont d'engrainer des petits dans quelque chose dans lequel eux-mêmes, ils n'ont pas mis les pieds, dans lequel ils ont qui n'ont pas vécu, tu vois ce que je veux dire. C'est juste ça. Faut pas engrainer les petits, tu vois, dans des trucs totalement bidons. Bref, voilà, c'était juste ça que je voulais dire. Non, mais artistiquement, tu te rends compte, à ce qui paraît, c'est des gens quand même. Moi, on m'a dit, ils sont allés faire leur Skyrap, là. Ils ont envoyé un singe. À leur place, ils ont envoyé un singe. Oh, à l'époque, passer à Skyrock, c'était le Graal. PNL s'est décalé. Il faut aimer. Mais, je te dis la vérité, je préfère écouter PNL 1 million de fois que toutes ces musiques. Ouais, elle m'a quitté, son père, il n'était pas d'accord. Or. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je lisse mes cheveux crépus, hein ? Et je deviens un sac à main, sale merde. Donc voilà, ce que je veux dire, ouais, c'est que, wallahi frère, PNL, moi j'ai l'impression, je les connais pas, je les écoute pas, et je leur ai dit, mais beaucoup de gens sont jaloux. Simple, clair et net, c'est de la jalousie. Ouais, non, c'est de la jalousie, ouais, c'est vrai, il y a de la jalousie. Mais comme dit un commentaire, c'est vrai, moi, pour moi, le rap, il est mort. Je te jure, le rap, il est mort. Pour moi, ça, c'est pas du rap. Tous les fonds de soi-disant rap d'aujourd'hui, c'est bon, c'est terminé, ça n'existe plus. C'est une mode qui est. Enfin, c'est une mode. Écoute, frère, moi, je pense. Il faut revenir au rap underground. Ce qui faisait le charme du rap des années 90, c'est qu'il y avait de l'autoproduction. Ça veut dire que le rap underground, il était boycotté. Pour passer en radio, fallait faire du rap format radio. Alors, c'est quoi le rap format radio, mesdames et messieurs ? 30 secondes, un refrain. Je commence par un refrain. 30 secondes de couplet, un refrain. 3 minutes 30. Il y a des groupes qui se sont démarqués. Il y a des labels. 45 scientifiques. J'en bégaye tellement. Il faut avouer. 45 disques d'or. En autoproduction, ça s'est jamais vu. Jamais. Bon,
Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut revenir au fondement. Et le groupe qui aura tout compris au film, c'est celui qui reviendra au fondement même. Là, on a tout exploré. On a même fait du rap techno. C'est qui revient au fondement aujourd'hui quand tu regardes? Moi, je suis pas très mélomane, tu vois, j'aime pas, j'écoute pas trop de musique. Mais qui est-ce qui revient au fondement aujourd'hui, malheureusement, c'est des mecs qui n'ont rien à voir avec la banlieue. C'est eux qui rappent comme les mecs à l'ancienne, tu vois. C'est des gars de... Après, frérot, excuse-moi. Ils n'ont pas la culture rap, c'est des petits bourgeois, okay. Je vais te dire clairement. La culture rap, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, il y a un groupe que je respecterais à vie. Mano. Dans la vallée, on a tous rock des Sandrines en boîte sur ces musiques-là. Dans la vallée, on se mettait derrière elle. Elle avait un legging pinky, cette pute. Ouais, on se mettait avec des buffalo, vous vous rappelez? Bref, Mano, disque d'or pour cette musique, ils ont été convoqués aux victoires de rap. Quand ils sont allés prendre le trophée, ils baissaient les yeux. Et ils ont dédicacé le vrai rap qui méritait ça. Eux, ils étaient conscients que c'était du rap un peu commercial. Mano, ils respectent. Mano, ils se sont dit, HM, il y a des gens qui rappent mieux que nous. Après, pour moi, à part Jules, qui est un ovni dans la musique, il l'a bien dit, hein, y a qu'un groupe pour moi en 2000 qui a changé un petit peu. Pour moi, quand j'ai entendu un groupe, je me suis dit, il y a espoir. Ah, là, on va rester un petit peu dans l'underground, un petit peu le 113. 113, quand ils sont sortis, moi, 113, je les écoutais en 98. Un album qui s'appelait « Ni barreaux, ni frontières ». Truc de fou, truc de dingue. On se passe à Vitry-sur-Seine. Truc de fou, truc de dingue. Là où les soirs, c'est la même. On parle d'argent et de flingues. Oh là là. Avec Doudou Masta. En 2000, ils ont fait un petit peu de commercial. Ils ont tout niqué. Mais ils sont restés dans leur... Oh, ils ont fait une musique. On rentre dans la banque sans faire toc. Ils ont parlé... des braqueurs de leur département tout en musique. C'est terrible. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Après eux, voilà. C'est parti en couille, oui. Exactement. Mais c'est moi, parti en couille rap, en France à partir de 99. Dis-moi, ouais. Bassin. Moi, pour moi, à mon sens, hein, le rap français, je parle. Moi, pour moi, il s'est barré en couille à partir de 2005. Tu sais, quand il y a le Renoir, ouais. Là, qui venait de la campagne, qui a fait son titre et aussi là, qui a fait son truc. À partir de là, c'est bon, c'est barré en couille. Camini, non mais c'est bien ce qu'il a fait. Voilà, ce que Camini l'a fait, bon, moi je trouve que c'est très là, bien. Ça a commencé à mais démigrer. Ah voilà, toi voilà, t'es un bon. En fait, dans les années 90, jamais on n'aurait osé parodier le rap, jamais. Voilà. C'est ça. Tu sais pourquoi? Parce que le rap dans les années 90, il transpirait la rue. Frère, moi j'ai vu TSN, Tout Simplement Noir, Timide et Sans Complexe, Diable Rouge de Sergi, Saint-Christophe, Vauréal, Jouy-le-Moutier. La vie de ma mère, je traînais là-bas. Demandez-leur. Diable Rouge, on mangeait des Grecs. C'était la rue. Frère, c'était la rue. Maintenant, c'est vrai. Alors, que. C'est... Moi j'ai rien contre Ebain. Tu vois, t'as vu SCH? Wallah! Je n'ai rien contre lui. Moi, SCH, voilà, Selem, Khlas. Mais SCH, c'est quelqu'un qui chante, il chante bien, bon. Mais c'est vrai que la première fois que je l'ai vu, chanter du rap, j'ai cru que c'était Kurt Cobain qui chantait, Nirvana. Wallah. Mais pourtant, c'est un mec qui s'est posé, il s'est chanté. J'ai vu ça, j'ai dit, c'est pas possible. Il est gorse. Mais ça l'empêche pas de bien poser, de bien rapper. Voilà, je sais pas. Moi, j'ai l'impression, et le plus grave, c'est que le rap se féminise. Aussi, ouais. Dans pas longtemps, on va avoir un groupe rap gay qui va sortir, qui va faire un tube. Je mets ma main à couper. Et grâce à ça, on va écouter ça. Frérot, je reçois des vidéos, il y a des mecs de Lyon, ils dansent sur du Weshden à Bellecour, ils dansent comme ça, la tête de ma grand-mère.
Je rêve. C'est frérot, génocide. C'est pas possible. Avant, je sais pas qui c'est qui a dit cette phrase. Et il a mis d'accord tout le monde. Avant, le rap, c'était pour nos grands frères. Maintenant, le rap, c'est pour nos petites sœurs, frère. Non. C'est non. C'est vrai. Mais tu sais, c'est... Hassan, je sais pas si t'as remarqué, tout aujourd'hui, tout se ringardise un peu. Même, tu vois, la mode des petits d'aujourd'hui, sans vouloir faire, parce que je sais que toi, t'aimes pas ce discours-là, mais il faut dire la vérité. Tout perd en qualité. Et ça, dans tous les domaines. Que ce soit, moi, à mon sens, dans le foot, la qualité, pareil, ça a descendu, la qualité du jeu. Mais partout, tout devient nul, en fait. Et je pense que c'est la même chose qui fait passer dans ce domaine-là, tu vois, la musique, le rap. Et même la musique en général, hein, aujourd'hui, il n'y a plus de tubes comme à l'ancienne qui sort. Je peux avoir même des chansons de variété, tu pouvais les trouver bien, tu vois. C'était vraiment des tubes, tu vois, des ouais, après, des, bon, le rap... On a IAM et NTM qui sont passés sur Énergie, sur Fun Radio. Ça s'est jamais vu. Avant que c'était que Skyrock. Bon, qu'on soit d'accord entre nous. Quand je parle de Wesh Khrad, Wesh Den, chacun écoute. Vous l'écoutez, écoutez-la. Tant mieux. Je vous ai pas dit de pas l'écouter. Moi, je vous donne un exemple. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oh, les frérots. Les frères qui sont dans des parkings à l'heure où je vous parle. Par Allah, en 2000, on était dans vos mêmes parkings. J'aimerais bien me transformer en fourmi. Écoutez ce que vous mettez quand vous êtes en train de fumer des genoux, vous n'avez rien à faire, l'autre il est sur Internet, l'autre il mange la casse-dalle. Vous écoutez des sons de meufs maintenant. Nous, avant, non, on écoutait, non, mais non. Ça avait rien à voir. Bref, aujourd'hui, à qui la faute ? À qui la faute, frère ? Ouais, je vais mettre 2 euros. J'ai dit, je vais mettre 8 euros. Vous inquiétez pas. Voilà, là. On va les mettre. Faites pas chier. Ouais. Ouais, bah, c'est aussi, il y a une faute aussi. Moi, je pense que c'est une faute. On a très peu parlé de cette faute-là, mais c'est celle aussi de la télévision et des médias, même si les médias, ils sont moins suivis aujourd'hui. Je sais que tout est parti dans... Je sais pas comment expliquer ça. C'est comme si on avait rendu le médiocre bien, tu vois ce que je veux dire, et au point où les gens, ils ont envie de le suivre. Je sais pas si tu comprends un peu. Ouais, c'est... Ils ont... Moi, j'ai dit, ils ont TF1-isé, TF1 comme TF1, ils ont TF1-isé, voilà. Le rap. Dès que j'ai vu, aussi... j'étais en train de regarder Johnny Hallyday, j'étais en train de regarder Johnny, on sait tous que c'est un grand homme. Après, c'est un grand homme dans la musique. Évidemment, c'est pas lui qui écrivait les chansons, mais il avait un charisme que personne il avait. Johnny. On a tous une chanson de Johnny en tête. Un civique Tennessee. Oh putain, écrit par Michel Berger. Putain, c'est terrible. Ouais. Depuis que j'ai vu un featuring avec des rappeurs, je me suis dit non. Il y a des rappeurs à mon goût qui ont participé à cette démocratisation, à cette TF1-nison du rap français. Il y a un mec de Marseille, pourtant je l'aime beaucoup. Wallahi l'adim, je l'aime beaucoup, je le respecte beaucoup. Il est très fort, très très fort dans la parole. Soprano, il est au-dessus. Soprano, moi je les mets dans la catégorie de Rof. Au niveau des paroles, Diams. Bon, on ne parle pas de Diams, la sœur et tout, mais bon, voilà. Mais Fab... Leur grand frère, à eux tous, c'était Fab. Même Booba. Eli Yaffa, il écrit. Il écrit. Ça, c'était vraiment à l'époque, ça, alors. Vraiment, 180... Quand il était avec... On a eu les sages-poètes. Sages-poètes de la rue. On a eu Doncha. On a eu Doncha Miskin. J'ai appris qu'il a perdu la boule un peu, Miskin. Voilà. Donc, moi... Soprano, c'est dommage. Avec la Joséphine Ange Gardien, Madame Chirac, tout le monde chante. Bon, au début, il est venu, il était underground. À Marseille, il y a eu 3 générations. Il y a eu IAM, la génération IAM. Hein ? Il y a eu la génération Funky Family, avec Troisième Œil, avec Le Venin. Et il y a eu le groupe à lui là. Le groupe
Un soprano, je me rappelle plus comment il s'appelle. Le groupe, là. Psychiatre de la rime. Voilà. Il y a eu eux. Ils ont participé à la démocratisation. C'est vachement dommage. Exact. Ouais, y a aussi la discussion. Après, nous aussi à Lyon. Hein. À Lyon, wallah. Ouais. On a des gens qui tiquent. Wallah, les frères. On a des gens... C'est des bons. Wallah, c'est des bons. Ils rappent, ils essayent de faire des trucs. Nous, on partage. Haqqallah et l'adim à Lyon. Ils te le diront. Bassem, ils partagent. Battle. Battle. Même si toi, Cheikh, un jour, t'as voulu faire le malin, tu m'as insulté, mais Ali, je partage. Eux, les gens, ils savent. Mesdames et messieurs, on applaudit. Ah bah, Allemand. Allemand, 69-200. The Guerre. On applaudit. Tous les groupes là du 8e, big dédicace, les frères du 8e, ceux du boulevard tchécoslovaque, les gens de la Duchère, wallahi, les rappeurs de Bron, big dédicace à tous ces gens-là qui font du bien. Et hamdoulay, derrière eux, il y a les grands qui les structurent. Enfin, vous avez compris. Enfin, faut pas acheter à Marbella, investissez sur un rappeur. Voilà, là, bien. Big dédicace. Voilà, frérot, en tout cas, merci beaucoup hein, pour ton... Ouais. Je voulais, H22, Sifax, Frisk Orléans, Dandy Lyonnais, eh ouais, bien sûr, ouais. Cassius Belli, Ya Hasra, wallah. Ouais. Bassem, excuse-moi, c'était juste pour remercier Airy Protein pour ses conseils, là. Pas de soucis, frère, merci beaucoup. Il avait donné de bons conseils, c'était juste pour le remercier. T'es un bon. T'es un bon, merci beaucoup, frérot. Prends soin de toi, salam alaikum. Voilà, c'est bien, on a parlé de rap un peu, c'est terrible. Allô? Allô, tu m'entends? Oui, salam alaikum. Alaikum salam, Bassem. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Impeccable. Je t'écoute. De quoi tu veux nous parler? Ouais. Je voulais te parler. Qu'est-ce que t'en penses des maghrébines qui savent pas cuisiner? Putain. Merde. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, j'en pense que c'est la honte. Non, parce non. Qu'attention, là, elles vont arriver. Hein. Ouais, si elle est orpheline, ah ben. Si... Franchement, wallahi l'adim, pour moi, c'est aussi grave qu'un maghrébin qui ne sait pas changer une roue, déboucher les toilettes et changer une ampoule. C'est vrai que... Imagine-toi, on a une mère qui ne cuisinait pas. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et qu'est-ce que tu appelles faire la cuisine? Parce que moi, je vais te donner un exemple. Moi, je suis genre d'homme où patates, viande, du coca, c'est tout. Je t'ai pas demandé de mettre une toque, de me faire des firassis à la catala de Grèce, je m'en bats les couilles. Donne de la viande et khlas. Donc, qu'est-ce que t'appelles faire la cuisine? C'est les plats de base? Bah, des plats de base ou un peu de tout, donc ça veut dire... Qu'est-ce que t'appelles faire la cuisine? Allô? Ah bon? Ouais, Bassem? Ouais, c'est la merde. Alors, attends, excuse-moi. Excuse-moi, ne bouge point. Alors attends, on va reprendre l'appel. Allô? Ouais, excuse-moi ma sœur, hein. Je ouais. T'ai coupé, je voulais ouais. te... Merde, on en était où? Donc je te disais, ça peut être soit des... Tu m'entends? Ouais, bien sûr. Bassem. Ouais, tranquille, attends frère, attends. Allô? Oui ma sœur? Oui, je t'écoute. Allô? J'ai dit ma sœur, pourquoi tu me dis allô frérot? Alaykoum salam. Attends, tranquille frère, reste avec nous. Ouais, donc les femmes qui ne savent pas cuisiner, tu penses que c'est de la mauvaise foi? Elles n'ont pas voulu apprendre parce qu'il y a des mères qui font la cuisine. Oui. Donc moi, je peux comprendre qu'il y ait des filles, leur mère, elle travaille, il n'y a pas de souci. Ok. Mais par contre, tu peux très 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 bien aller sur Internet, regarder des tutos, hein, on est en 2020, ou demander à ta tante, demander à ta mère une recette, elle te l'écrit, ou tu as compris. Tu peux très bien apprendre, ta mère, elle cuisine, tu te poses à côté d'elle, tu notes. Tu vois ce que je veux te dire? C'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi. Je sais pas. Le frère qui est avec nous, tu en penses quoi de tout ça? Ou tu m'as appelé pour ma grosse tête, toi? Tu m'as appelé pour mon paf? Tu m'as appelé quoi? Pourquoi ta tête? Bah, voilà, bon, allez, on n'a pas le temps. On reste avec la sœur. Elle est avec nous, la sœur? Ouais, je suis toujours là. Elle est avec nous. Très bien, impeccable. Je te dis la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, les hommes, ils donnent envie de leur faire la cuisine? Je sais pas. Est-ce que notre mode de vie a tellement changé que... On ne pousse plus à faire la cuisine. Il y a des chorbas qui sont prêtes. Uber Eats, on peut commander les trucs comme ça, comment tout le temps snack.
Bien sûr, c'est exactement ça. Maintenant, je sais pas. Qu'est-ce que t'appelles, toi, la cuisine? De quelle origine t'es, toi? Tunisienne. Tunisienne, d'accord. Donc, qu'est-ce que tu sais faire? Avant que je te déboîte, là. Allez, vas-y. Est-ce que tu sais faire tout? Cocitagine. Tout, voilà, tout ce que tu veux. Macaruna, ma salsa, putain. Moria, on a les meilleures pâtes au monde. Ragez pas, les Arabes. On a les meilleures pâtes du monde. C'est tout. Arrêtez de rager. Bah voilà. Oui, macaruna, ma salsa, c'est une base. Le felfel marché, est-ce que tu le fais? J'aime pas trop. Ouais. Donc toi, je ne me marie pas avec toi, parce que déjà d'une, t'es une tunarde. Toi, vous êtes tous des Leïla Trabelsi en puissance. Non, merci. Déjà, en plus, le felfel marché, tu n'aimes pas? Non, quand même, voyons. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? Tu pourrais te marier, toi, avec un homme qui n'est pas bricoleur? Non. Ouais. Moi, non. Ouais, ouais. C'est pareil, là, les femmes. Un meuble, il ne sait pas te le monter. Une chaise, il ne sait pas te le... Changer l'ampoule, il ne sait pas. On est où? Mais il n'y a pas que ça. Quand un homme... C'est mauvais signe quand un homme, il te laisse mettre de l'essence. Tu sais, il est à côté de toi, il descend, il ne descend pas. Même s'il est dans ta voiture, il est copilote, tu vas mettre de l'essence, il te laisse mettre de l'essence. C'est un tahan. De là, tu vois tout de suite qui il est. Alors, une femme qui ne sait pas faire la cuisine, franchement, ça dépend des hommes. Je te dis la vérité. Il y a des hommes, ils sont compliqués. Écoute, si la fille, elle a grandi avec sa mère, ça veut dire qu'il y a sa mère chez elle, je ne comprends pas pourquoi elle serait pas que cuisinée, en fait. Je comprends pas, je vois pas le concept. Ta mère, elle est chez toi, pourquoi tu restes sur ton téléphone? Je sais pas, t'es une femme, tu apprends à cuisiner. Ouais, mais c'est pas évident, parce qu'il y a des mamans aussi qui pourrissent leurs filles. Non, touche pas, non. Moi, je sais que j'ai vu des générations de filles où leur mère, elle est à la louche. Moi, je connais aucune copine à moi. Personne, sa mère, elle va lui dire non, cuisine pas. Voilà, toutes les... Alors, tiens, il y a Halim qui me dit. Alors, Bassem, quand t'es un homme, ça sert à rien de changer une roue, déboucher des toilettes. Le plus important pour un homme, c'est de l'argent. Seul l'argent peut retenir une femme. N'importe quoi, Halim. Il a raison. Arrêtez. Ça, c'est les genres de personnes qui n'ont rien compris à la vie. Il a raison. Ma cousine, entre toi et moi, on va dire que... Putain, faut faire un débat dessus. On va dire que l'argent... Ça atténue les douleurs comme une pommade. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, quand une femme, elle reproche à un mec ses défauts quand elle est mariée. Ouais, t'es là, tu me fais la misère, je sais pas. T'es là, tu me tapes, tu me craches dessus. En plus, t'as pas d'argent, tu me donnes rien. En plus de ça, tu me niques et t'as pas d'argent. Mais si le mec, il a de l'argent. Peut-être que la femme, elle va mettre la pommade sur « Ouais, les pleurs et tout le reste et tout. » C'est le nerf de la guerre. Moi, je pense. Ouais. Oui. Mais après, ok, il ramène l'argent. Mais si l'ampoule, il ne sait pas te la changer. Mais c'est la honte. C'est la honte. L'argent, ça ne fait pas tout. Ça fait certes quelque chose, mais ça ne fait pas tout. Il faut arrêter à partir d'un moment. Il faut être des vrais âgés et des vraies femmes. Voilà. L'homme se dévoue quand la femme en vaut la peine. De quoi, L'homme se dévoue à la femme si elle en vaut la peine, quoi. Si elle en vaut la peine, on est bien d'accord. Oui, après, c'est sûr. Voilà. Qu'est-ce que... Aujourd'hui, tu as quel âge? 20 ans. 20 ans, mashallah. Bien, 20 ans. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux filles de ta génération? Celles qui ne savent pas faire à manger, parce que... Je sais pas si tu as remarqué, il y en a toujours une qui n'est pas de notre communauté, mais elle vient gratter, elle vient sur les groupes. Coucou tout le monde! Je m'appelle Lucie, j'adore les plats du Maghreb, et il y a toujours une hafida, une bagra qui arrive, qui lui dit « Mashallah, viens, on va t'apprendre et tout ». Alors est-ce que tu penses que ça s'apprend sur le tas ou ça s'apprend dans le temps? Et est-ce qu'on doit avoir l'envie de le faire? Oui, il faut l'envie après, parce que suivre une recette, bref, parce que suivre une recette comme ça, non. Mais en soi, c'est que déjà, il faut qu'elle ait envie. Elle pense à plus tard, elle sera mariée, elle aura des enfants.
faut qu'elle fasse plaisir à son mari. Enfin, elle va tenir un foyer, il faut savoir cuisiner. Et attends, je me rappelle, tu m'avais dit quoi déjà exactement? Non, mais je t'avais demandé, je t'avais dit si c'était important par rapport à toi. Franchement, c'est quoi le plus important? Est-ce que par exemple, alors on est anonyme, hein, on est entre nous, est-ce que la cuisine, sans te manquer de respect, hein, est-ce que la cuisine pour toi dans un couple compte plus que la baise? Bah non, c'est pareil, hein, on parle de nourriture. Sauf que là, on remplit le ventre et on vide le bas-ventre. Si t'es comme ça, femme, c'est que tu as tout compris au film. Tiens, on t'applaudit. Qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est joli, mesdames et messieurs, de faire du chenel entre deux parts de forêt noire. Oh putain, vous saviez. Donc, c'est important, mais moi je te dis franchement, est-ce que c'est primordial? Demain, t'as un homme, il sait que tu sais pas faire la cuisine. Ah, ça a raccroché. Bon, peut-être que je l'ai fait fuir ou c'est... Oh, frère Pochon, il bug, hein. Il bug parce qu'il y a toujours le même numéro qui m'appelle. Là. C'est une blague. Bon, excuse-moi, ma soeur. Allô? Ah, c'est moi qui ai coupé, alors? Merde, sans faire exprès. Allô? Allô? Oui, c'est l'aime? Ouais, Salem. Ça va? Ça va, Sébastien? Ouais, Sébastien, je t'écoute, allez. Allez, moi j'ai... Après, vous dites que c'est moi qui raccroche. Allô? Ouais, Sébastien, je t'écoute, allez. Oh, allô? Allô, toi... Allô, Salem, ça va? Salem, ça va et toi? Ça va, impeccable. Tu peux baisser ton live, s'il te plaît? Ouais. Je voulais savoir si t'avais passé des bonnes fêtes de Noël, Harry. Ah, bah ouais, des joyeuses fêtes de Noël. Et toi? Ouais, bah non, ils peuvent pas couper les lives, frère, vous êtes des animaux. Allô? Allô? Salem? Allô? Salem, Bassem, Bioko. Ça va et toi? Tranquille, frère. Genre, vous parlez de quoi là? Tu parles de quoi là dans ta. Allez. Ça y est, ça arrive. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, ça va, Bassem? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Ouais, je voulais t'appeler à propos d'un sujet qu'on a pas, que t'as pas pu évoquer jeudi, à propos de des Karine. Je sais pas si tu connais. Ouais, on en parlait, c'est la personne qui nous suit. Enfin, c'est la... Voilà, le compagnon inséparable. Et en fait, le Karine, en fait, tu le nourris tout au long de ta vie, en fait, et en faisant du bien, tu le nourris en bien, donc il te conseille le bien. Et donc, si tu fais des choses mal, il te conseille en mal, en fait, à force, tu vois. Et il y avait une anecdote, Mais frère, qu'est-ce qu'on peut appeler le Karine, par exemple, pour ceux qui ne connaissent pas de quoi on parle, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle, qu'est-ce qu'on peut schématiser pour eux? Est-ce qu'on peut appeler ça, grosso modo, une conscience? Alors, en fait, c'est une conscience. Et en fait, j'avais entendu, alors ça reste à éclaircir et à confirmer, qu'en fait, quand le choix nous est donné au moment de l'insufflation de l'âme au bout des 40 jours dans le ventre de nos mères, en fait, il y a un choix qui nous est proposé, est-ce qu'on accepte la vie ou pas? Et quand on l'accepte au détriment de notre compagnon inséparable. C'est ce que j'avais entendu, et du coup, il nous suit, c'est notre compagnon inséparable tout au long de notre vie. Et en fait, on va le nourrir et parfois on va même pas se rendre compte dans notre vie qu'il a été présent, mais il a forcément eu une influence sur nous à un moment donné. Tu vois ce que je veux dire? Mais quelle influence il a pu avoir? Si c'est nous qui l'influençons, quelle influence il peut avoir lui après? En fait, il y a plusieurs influences, tu vois, comme qui nous influence à faire le bien ou le mal. Alors, il y a, par exemple, les shayatines, tu vois, qui nous influencent à faire le mal. Il y a ce compagnon inséparable qui peut nous influencer. Il y a même notre âme
qui nous suggère le mal. Notre âme, tiens, il y a Fishtown, il y a le frère Fishtown qui nous dit « Le Karine, c'est un djinn qu'Iblis t'a attribué pour te wes-wes, qui t'égare un petit peu. » Alors, bon. D'accord. Ok. Après, j'avais entendu... Il faudrait qu'on parle avec des frères de ça, là. Voilà, exactement, ouais, des frères plus calés en religion. Et c'est très bien ce que tu as dit tout à l'heure sur Snap à propos de l'avis d'un cheikh. Ça va éclaircir beaucoup de choses et franchement, je t'encourage à ce niveau-là. Franchement, non, mais après, ils vont croire que c'est moi qui les khalas. Ils vont croire qu'il vient du Troisième Reich. Non, ils vont croire que... Non, non frère, non, c'est... Non, là, les gens, tu peux pas. Des vrais choyours et voilà, c'est une bonne initiative que tu as eue. Et franchement, il y avait une anecdote par rapport au Karim. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu une discussion avec Aïcha, radiallahu anha. Samahni, khouya, comment veux-tu? Attends, comment veux-tu? T'as vu, c'est pour ça que j'aime pas parler de religion. Il y a le Negi qui nous dit, c'est pas du tout Iblis qui attribue le Karim, c'est Allah subhanahu. Frère, moi je sais pas, je connais... Iblis, non, arrête de me dire, toi aussi, arrête de me dire, bien sûr, au début tu me dis c'est Iblis, là maintenant tu me dis, frérot, on n'a pas le niveau, viens, on parle pas de ça, frère, t'arrives, toi mon frérot, haqqallah l'adim, je t'aime bien, je te respecte, mais arrive à un moment, faut avoir les bagages qui vont avec, t'arrives, on dirait, t'as fumé d'irnouf, tu me parles de Karim, comme si c'était le frère... Karim qui avait une Renault 21. Tu m'as dit c'est le frère de la Roum qui a dit. Ouais, c'est le frère de la Roum, mais viens. Moi, j'ai pas dit ça. Viens, moi. D'accord, viens, on parle pas. Frère, quand on maîtrise pas, Raham Bouk, déjà, on va retenir ce sujet-là parce qu'on va en parler avec les Harry Contenders. On va parler de ça, mais frère, nous, te rends compte la merde ce qu'on est en train de dire. Regarde, moi, je lis un commentaire. Je dis, c'est Iblis. Il y en a, ils peuvent le croire. L'autre, il arrive, il dit, tiens, on s'est toujours mis d'accord pour pas être d'accord. Rien qu'on spine, nous. Voilà, non, c'est pour ça qu'il faut des gens... Je pense que, tu vois, chacun a la capacité d'aller chercher par soi-même la vérité. Après, c'est Allah qui guide. Nous, on est juste des sebebs à éclaircir. Enfin, toi, de ton côté, et moi, quand j'en parle, c'est juste, on est juste des sebebs. On dit ce qu'on sait et après le reste Allahu a'lam, tu vois, parce que déjà celui qui veut boire un coup, subtil. Celui qui me demande, tiens mon frérot, bois une gorgée, tu peux tirer une touffe, une touffe, mais tu donnes rien à Samir, voilà. Frérot, moi ça, faut qu'on en parle, il faut qu'on fasse un Harry Contender, mais c'est important d'en parler. Mais moi j'ai envie de savoir si le Karim par exemple, c'est lui qui t'ouest-ouest. Où est-ce que des hommes pieux, j'ai envie de te dire, starfallah, peuvent convertir un Karim? Est-ce que, par exemple, tu peux avoir un Karim qui te souffle que du bien? Ou est-ce que le Karim, il est forcément là pour t'ouest-ouest? En fait, c'est comme... ça va être un peu comparable à la foi, puisque tu le nourris avec le bien ou le mal. Donc en fait, je pense que le Karim, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir convertir comme un djinn qui te possède. C'est pas la même chose en fait. Ça va être plus un compagnon et en fait, on s'en rend pas compte, mais tu vois, il y a un peu cette binarité de l'homme. Tu vois ce que je veux te dire? Et on retrouve ça, je pense, dans cette binarité. Sallallahu alayhi wa sallam. Frère, je sais pas. Mais on en parlera. Mais frère, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir parlé de ça. Avec Wallahi, plaisir. Grâce à toi, je vais lancer un appel sur Snap, Inch'Allah, on va parler de ça parce que c'est important. Ah non, grâce à toi, moi j'ai rien. Non, fait. Grâce à toi, frère. Grâce à nous. Barakallahu fik. Et du coup, je voulais parler d'autre chose, mais je me souviens plus trop. Et c'est quoi le sujet? Là, c'est débat. Tranquille, frère, je pense que c'est suffisant. Vas-y, tu peux aller travailler, frère. Allez. Tranquille, vas-y. Alaykoum salam, merci beaucoup de nous avoir appelés. Barakallahu fik, frérot. Merci beaucoup. Oui. Salam, salam. C'est un bon, frère. Wallah, c'est un bon. Allah yhafdek. Allô? Allô? Oui, salam? Oui, salam, je voudrais commander une pizza. Ouais, alors tu veux la quoi? Alors je te propose la XXL avec mon crâne.
Je te propose une XXL avec mon crâne. Elle s'appelle Ciao Como Esta. Est-ce que tu la veux, celle-là? Elle est pas mal, mais je préfère une bolognaise simple. Une bolognaise simple. Allez, je te la livre le 33 décembre. Oui. Célèbre frérot. Voilà. Allô? T'as un pizza. Allô, Halib. Comment ça va? Allez, comme c'est pizza Halib. Imagine, frère, on lance pizza Halib et c'est une halibeuse, une livreuse qui tape à ta porte. C'est pour vous, la macaroni? Oh là là, frère, et tout, imagine. Allez, comme c'est frère, je t'écoute. De quoi tu veux nous parler? Ouais, on peut parler théorie du complot, fin du monde et tout, non? Ouais, vas-y, envoie la sauce. Ouais, t'as vu, Bassem, t'as vu, c'est super intéressant quand on parle de fin du monde et tout dans ta radio. Mais il y a un problème, Bassem, tu sais quoi? Bah, c'est, t'as vu, quand les gens ils sortent des dates comme ça de nulle part, ils te disent, ouais, 2022, le Mahdi, 2023, Jésus, 2024, l'Armageddon. T'as vu, moi, je comprends pas d'où ils sortent ces dates. Ça m'énerve, ça. Ouais, ouais, ouais. Franchement, frère, wow, c'est un vrai sujet, ça. Waouh. Mais, ouais, ouais. Ouais, les dates. Alors, moi, j'ai jamais vu de date pour l'imam Mahdi. Reda, ouais, exemple. Un exemple. Je parlais, par exemple, je parlais de Noël et tout. J'ai publié un commentaire où il y en a, où c'est marqué c'est la naissance du prophète. Il y a tout de suite des... c'est la naissance du Christ. Un prophète, il dit ça chez nous. Il y a tout de suite des frères qui m'ont dit non, c'est écrit qu'il est né dans des périodes chaudes. Quand la date, eh ben, elle poussait. La date, c'est la date qu'on mange. Donc on peut dire que c'est le printemps. Là, on ne peut pas parler de date, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il y a beaucoup de gens qui parlent de date. Je ne sais pas par rapport à quoi. Tu te rappelles la dernière en date, là? 2012? Oh frérot, en 2012, le 31 décembre, il y a des gens, ils sont allés habiter dans une montagne, ces fils de pute. Ils croyaient que c'était la fin du monde. 99 aussi, les gens, ils disaient. Je ne sais pas. Je sais pas. Les survivalistes. Les survivalistes, exactement. Ouais. Mais, parce que t'as vu, en vrai, Bassem, parce qu'en vrai, t'as vu, surtout les musulmans, quand ils parlent de fin du monde et ils donnent des dates, c'est dangereux, c'est pas bien. Parce qu'il paraît, c'est haram, peut-être. Parce je que, sais pas. Vu, on peut pas dire à ce qu'il paraît, c'est haram. Soit c'est haram ou non. Parce que, t'as vu le prophète à l'époque. Et ben, quand Jibril est venu vers lui, et là, le prophète, il a demandé, ouais, c'est est-ce que tu sais, c'est quand la fin du monde? Et là, Jibril, il a répondu, il lui a dit, Le questionné n'en sait pas plus que le questionneur et il a tremblé de peur. Donc même le questionné, Jibril, non. Ouais. Donc même Jibril, le roi des anges, il a eu peur de cette question. Et nous, des humains et tout, on sort des dates comme ça. Tu vois quoi? C'est vrai, frérot, c'est vrai. Wallahi, c'est vrai, tu as raison. Mais Allahu a'lam. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'on nous a laissé des signes quand même. Ouais, bah ouais. Mais on peut imaginer, on peut imaginer des scénarios. Après, frère, même celui qui est sensé, qui n'a pas de religion, parce que t'es pas obligé d'avoir une religion pour être très sensé, loin de là, putain, non. Même ceux qui n'ont pas de religion, qui croient en rien, ils sentent l'amorosité. Ils voient, les gens voient qu'on arrive à la fin d'un cycle. Rien n'est plus normal. C'est fini. Il n'y a rien qui est normal. Rien. On peut dire que c'est la fin d'un monde, d'une époque. Voilà, c'est ça, ouais. Tu te rends compte? Tu t'inscris à un jeu, on te demande si t'es un homme, une femme ou autre. Le autre, le troisième genre, c'est la fin d'un monde. Et le nouveau, et Bassem, le début de l'apocalypse. Moi, je pense. Bassem, mais tu sais pourquoi, à ton avis, ils veulent faire disparaître le genre, les genres et tout, hommes et tout, tu vois, tu sais pourquoi? En fait, c'est pour installer un nouvel ordre mondial. Mais tu sais pourquoi ils veulent éliminer le genre masculin? Parce qu'en fait, ça sera plus facile pour eux d'installer le nouvel ordre mondial parce qu'il n'y a pas des hommes, en fait. Et à l'époque, les hommes, ils étaient capables de changer le monde à l'époque. Tu sais, des hommes du Moyen-Âge, de l'Antiquité, tu sais, des Alexandre le Grand et tout. C'est, bien ils sûr. Changer le monde, ils étaient capables de... Et genre, si à l'époque, ils voulaient faire un nouvel ordre mondial, ils n'auraient jamais réussi. Tu vois ou pas? Mais aujourd'hui, vu qu'aujourd'hui, l'homme, on le féminise et tout. T'as vu, il y a un livre, il s'appelle « La féminisation de la société ».
de Alain Soral. Tu connais ou pas? Et ben, il a sorti un livre et même les gens qui l'aimaient pas, et ben, genre, ils ont regardé son livre, ils ont acheté son livre, Mais, ils ont tous liké. ouais, mais, mais il y a juste cette phrase-là qui est célèbre. Bon, je ne vais pas la dire exactement pareil, mais vous allez comprendre de qui et de quoi je parle. Les temps durs ramènent des guerres. Les guerres ramènent des hommes. Les hommes ramènent la paix. La paix ramène les temps calmes. Et les temps calmes ramènent des sous-hommes. On est en plein dedans. Bah Je ouais, vais c'est donner ça. un exemple. Je vais donner un exemple con. Pour moi, on a féminisé la France. Écoutez bien ce que je vais vous dire parce que je suis concerné. 1980, je suis passé à une année près. Ceux de 79, tu vois, ils y étaient. Depuis qu'on a supprimé le service militaire obligatoire, on a changé la face de la France. Je te rappelle qu'avant, le service militaire était obligatoire. Elvis Presley, il chantait avec ses genoux, ils sont venus le récupérer. Johnny, viens ici, toi, à l'armée. Les bidasses, frérot. L'armée t'apprenait à faire ton lit. Déjà, t'apprenait à être propre, t'apprenait à être un homme. On a enlevé l'armée en France, c'est une catastrophe. Rien qu'avec ça, on a commencé à féminiser l'homme, ici en France. Moi, je pense. Ouais, à cause des réseaux sociaux aussi. Mais les réseaux À sociaux, cause ça des... vient bien après, frérot. Les réseaux sociaux, on a supprimé l'armée en 1980. Les réseaux, ils sont venus 25 ans plus tard. C'est tout un schmilblick, frère. C'est un puzzle. C'est un puzzle. On a commencé par ça, par enlever l'armée. Après, on s'est dit, bon, on va s'occuper des sœurs de maghrébins. Voilà. Donc, on a créé les radios libres. Dans ces radios libres, on a créé des clips. Dans les clips, il y avait l'Aziza, il y avait, hein, Mitterrand qui est venu avec ses ni putes et ni soumises. Ah, elles ont massacré la France. Ces fameuses femmes qui défendent les femmes. Mais elles te disent, quand tu es enceinte, tu te soumets à l'homme. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? C'est un vrai sujet, ça. Ça aussi, il faudrait qu'on en parle, frérot. Putain, vous me rendez fou ce soir, putain, les mecs. Merci de nous avoir appelés. Mai 68 aussi, hein. Mai 68, c'est une douille. Les maoïstes, les gens bizarres, là. Tous les maoïstes, l'autre, là, qui va prendre des gosses, Jack Lang, tous ces gens bizarres, ça vient de là. Le mouvement de gauche est dangereux, mesdames et messieurs. Revenons à la royauté en France. Moi, je suis pour qu'on revienne à la royauté. Hakallah el adhim. La royauté, l'église chrétienne qui tient le gouvernement. Et pourquoi pas? L'église n'est pas un ennemi de l'islam. C'est pas possible. C'est ces gauchistes, là. T'es qui croit en rien, on vous souhaite tout le bonheur du monde. Allez, viens, crée une petite association pour la Palestine. Allez, black, blanc, beurre, on vous la met dans le cul. Ah ouais, on vient traîner là où vous habitez, mais on n'habite pas là où vous habitez. Bah ouais, bien sûr. Après, on a un bon leader, là, on a un leader de gauche, là. Je le respecte, son éloquence, sa détermination. Monsieur Mélenchon, vous êtes un exemple. Mais vous en faites trop. Bezef, bezef. Frérot, bezef, n'oublie pas qui tu es, d'où est-ce que tu viens. Donc moi je suis pour que le comte de Paris, parce que vous êtes au courant qu'il y a un Bourbon qui est en France là. Hein. Ah ouais. Il y a un descendant de Louis XVI là. Ouais. Né plein de cam, il est dans la cam, il est à Paris. Si demain on revient à une monarchie absolue, vous savez qu'on a un roi. Ah mais nous avons un roi. On va mettre des perruques Louis XVI. Jante dame, coutiche, hein? Tiens ta mouche, Merteuil. Ouais, nous avons un roi. Bah oui, bien sûr. Wallah, oui, on a un roi. Je crois que c'est le comte de Paris. Ou je crois que c'est. Les gens, ils vont me dire qui c'est, je crois, mais bon. Allô? Louis XX. Allô, c'est Alaikum Bassem. Alaikum Salam. Comment tu vas, mon frérot? Ça va et toi? Je suis le cousin d'Elarium, c'était pour faire une grosse dédicace à la room.
Big dédicace à toi, mon frérot. Et grosse dédicace à Salim Michou. À qui? Salim Michou, grosse tête, Bassem. Big dédicace à toi, frérot. Allô? Allô? Il y a un numéro. Salam alaikum. Alaikum salam. Ça va ou quoi, frérot? Ça va et toi? Alors attends. Allô? Ouais, salam alaikum, Bassem, tu vas bien? Alaikum salam, d'où est-ce que tu nous appelles, frérot? Plus 59, bizarre, tu nous appelles d'où? La Martinique. Ah, zok, ouais, la Martinique. Ouais. Ça va, mon frérot? Ça va, alhamdoulilah, frérot. Alhamdoulilah, reste avec nous, frère martiniquais. Le premier frère qui nous a appelé, excuse-moi. Ouais, allô? Je t'écoute, mon ami. M'entends, c'est bon? Impeccable, ouais, je t'écoute, dis-moi. Non, moi, je vais t'appeler, parce qu'en fait, franchement, Artex, ce que tu fais, voilà. Allah, c'est le mec, frère. Parce que je t'appelle, franchement, tu vois, au début, ça me plaisait pas trop, enfin, de tout ce que j'entendais, mais je te suivais pas vraiment. Mm. Et après, dans la foulée, j'ai commencé à écouter. Ça fait quelques semaines, je t'écoute vraiment. Voilà, ça me régale. Chaque soir, j'attends que tu vois ta radio pour sûr. Voilà, il a dit, frérot. Sujet, en fait, ouais. Je me dis que, tu sais, nous, les enfants d'immigrés, etc., les immigrés, nous, on se met trop de barèmes, tu sais, surtout à l'école. Parce que, si tu veux, j'ai remarqué que moi, par exemple, par le passé, je me mettais, par exemple, des métiers comme électricien, comme plombier. Je dénigre pas ces métiers, mais c'est des métiers où tu te dis, tu vois, nous, on se dit, waouh, c'est wild de faire ça, tu vois, c'est un truc, c'est joli. Mais en fin de compte, on se met tellement de barèmes qu'on se dit, on se limite la tâche, si tu veux. Tu vois, je suis d'accord avec toi et j'ai été le premier. Tu sais, moi, je vais te dire une chose. Alors, frère martiniquais, même si c'est pas ton sujet, hein, je t'invite à débattre avec nous sur ça. Mais bon, voilà, Christ, toi, tu es le bienvenu. Bois Haja, là, il y a Arnouf, il y a à boire, tiens, donne rien à Samir. Juste, voilà. Moi, le premier. Je dis à chaque fois qu'il y a des métiers de blanc. Moi, le premier, quand tu écoutes mes discours, tu te dis, mais Bassem, il met en avant l'industrie, il ne met pas en avant assez la bureautique, il ne met pas en avant... Moi, le premier, on peut dire que je mets des barrières. Quand je dis je mets, c'est un grand mot, on est bien d'accord. Je mets des barrières à nous, les Maghrébins, un exemple. Mais moi, j'ai envie de te dire, le triste constat, il est que nous, Maghrébins, on peut atteindre ces hautes sphères que à l'étranger. En France, c'est des choses qui ne se font pas. Ça n'est pas politiquement correct. Il faut le comprendre. Quand il y a un arabe, un maghrébin, qui est dans les hautes sphères, il n'a plus rien d'un maghrébin. Alors vous allez me dire, est-ce que le maghrébin qui brûle des voitures avec le drapeau du Maghreb vaut mieux que cet homme-là? Non. Commencez pas à chicoter là, à tricoter des pulls. Non. Moi, je vous dis juste, en général, je n'ai jamais vu... Ouais. Un maghrébin s'épanouir dans un poste à responsabilité. Non, je suis totalement d'accord avec toi. Là, ça, je l'ai vécu au quotidien. Enfin, je l'ai vu ça et je l'ai vécu. Et la plupart du temps, quand t'as un harbi, t'as quelque chose, t'as quelqu'un, t'as un étranger qui a un poste, c'est un vendu, frère. Là, c'est un corrompu. En fait, il fait pire que les gouers pour nous montrer qu'il est pire qu'eux. Mais tu m'entends? Bien sûr. Ah. En fait, moi, je veux surtout te dire, parce que si tu veux, moi, quand j'étais jeune, bon, j'ai fait le collège en ZEP, etc., je viens de Toulouse, tu veux. Et à Toulouse, nous, c'était le Mirail, et t'as compris, nous, on était... moi, je partais à l'école, j'ai fait un bac pro. Je suis un bac général, ils m'ont envoyé un bac pro. Parce qu'ils m'ont dit que Zama, c'était plus mon profil. Alors que je ne savais pas du tout ce que je voulais faire, j'avais des bons résultats, tu veux. Ils m'ont envoyé vers un bac pro élec, je suis parti, franchement, wallah, frère, j'étais dégoûté. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Tu vois, j'ai fait tant d'études, je suis encore au lycée, mais je me dis, je veux pas faire ça. Mais tu as la conseillère qui te dit, non, c'est bien pour toi, et quand tu as les gueules, eux, ils vont tous en bac S, bac ES, etc. Ouais, après, faut pas... Après, non, si j'ai vu des robeux aller dans des hautes sphères, au bac S. Alors attends, 30 secondes. Frère martiniquais, allez, on t'invite. De quoi tu veux nous parler, frère? Bah écoute, je t'ai dit que j'allais m'incruster un peu dans le sujet. Donc moi, je vais te dire la vérité. J'ai jamais pu m'épanouir dans le monde du travail en France, que ce soit avec les Arabes et les Blancs. J'ai travaillé un peu dans tous les domaines, étant plus jeune.
Et puis, et à chaque fois, je retournais dans le business, quoi, si tu m'as compris. Aujourd'hui, ouais, t'as vu, j'appelle avec une puce sans nom. Ouais. Donc, si je peux un peu me lâcher sur, sur ma vie actuelle, quoi. J'appelle tranquille, en anonyme, sans dire, sans dire de nom, sans tirer une balle à la fin de l'appel, sans griller des gens, voilà. Allez, vas-y. Bah écoute, là, moi, je suis un petit peu en mode, haram, hein. Je suis en Martinique, je suis en mode trafic inter. Ouais. Et je voulais partager un peu ce vécu. Tiens, bien, alors attends. Frérot, t'es martiniquais d'origine, t'es rebeu, tu es quoi? Non, je suis rebeu. T'es rebeu. Et t'es en Martinique parce que tu fais du trafic international? Ouais. D'accord. En quoi, en shit? En quoi, en drogue? L'autre truc. Et ce qu'il y a juste à côté, on n'est pas loin de l'Amérique du Sud. D'accord, ok. Ça transite pas mal par ici pour aller en Europe, ouais. Pablo, aïe, 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 aïe. Putain. Dirais-je sur Netflix, bordel de Bordeaux. Allez, envoie la sauce, dis-nous comment ça marche la vie muy caliente. Si, señor. Vas-y, je t'écoute. Bah écoute, pour vivre ici, c'est un peu ralou, tu vois, tout est cher, il n'y a pas trop d'activité. Bah, c'est vrai. C'est pour ça que, c'est pour ça que les Antillais s'expatrient quoi, en métropole, quoi. Attends, ici, tu me parles, tu me parles de la Martinique, c'est magnifique, t'es un trafiquant de drogue, tu dois avoir des costards blancs, tu dois avoir de l'argent, à quoi savoir pas quoi en faire, et tu me dis, c'est relou la Martinique, c'est une blague. Dis-moi que t'es intérimaire, tu décharges des camions, tu me parles de trafic international, tu travailles dans une boîte de transport? Non, Bah écoute, ouais, c'est un peu... la vie ici, elle est un peu compliquée, hein, tu vois. Ouais, tu fais c'est de l'import-export. Comme je te dis, niveau bouffe, c'est pas terrible. Ouais. Tu sais, on fait cuire un peu le halouf avec le poisson, on mélange un peu tout. Après, je vais pas faire le mec halal, genre je bouffe halal, tout ça, tu vois, comme je t'ai dit, je suis un petit peu en mode de... Je vais pas faire le mytho, hein, je suis pas venu ici sur... Je suis pas venu pour faire le mytho, je suis... Voilà, quoi. Non, frérot, il y a une chose que tu m'étonnes pas, c'est que ta puce, elle est bizarre, ouais. Plus 59, tu m'as appelé avec un numéro. On dirait les films américains, comme Brenda, elle dit à Brandon, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Oh, putain. Oh, la vache. Ouais. Qu'est-ce qui est cher en Martinique? Les produits frais? T'as les yaourts, les perles de lait. Tout, ouais, tout est cher, tout, même si on bouffait dehors, c'est... En plus, c'est pas terrible, tu vois, la bouffe, elle est pas bonne, tiens. Après, tu manges, genre, chez les gens, quoi, si tu vas manger chez les gens, les plats traditionnels et tout. Bah, ce que j'ai kiffé, moi, c'est la banane plantain. Je sais pas ce que c'est, mon bien, ami. Mais quand tu manges, ouais. Mais tout ce qui est bouffe à l'extérieur, c'est des hamburgers, des kebabs. C'est vrai? Rien de... Ouais, même les restos, c'est pas terrible. Bon. Tu habites où en Martinique? Après, tu peux pas me dire où t'habites en Martinique. T'es fou, les gens, ils vont envoyer l'hélicoptère. T'es malade ou quoi, ton Franjo? Faut pas que je dise où t'habites. Frérot, après, ils vont dire que je suis une poutave. T'es en cavale depuis combien de temps? Non, pas encore. Je suis pas encore en cavale. T'es pas encore, en cavale, tu vois. Non, pas encore. Pour l'instant, tout t'es se passe sûr, bien. T'es sûr que t'es pas un représentant de commerce qui fait des fenêtres cas par cas à Fort-de-France, en Martinique, tu m'appelles? Tu me dis trafic international parce qu'on m'a appelé de France. Non, frérot, sûr. Toi, tu sais, tu me fais penser à qui? Tu sais, tu me fais penser à qui, toi? Et je pense que le mec avec moi, je pense que tu vas confirmer. Toi, tu me fais penser à tous ces mecs dans les quartiers qu'on a, on en a tous un. T'es posé avec lui devant le centre commercial, t'es posé pendant une heure, il parle avec toi, il dit rien, et à un moment, il s'esquive, il part, sans rien te dire. Et toi, tu le regardes, tu lui dis, où tu vas? Il te regarde, il te fait un clin d'œil, il dit, t'inquiète, je reviens. Et là, tu le vois, il sort de la boulangerie avec deux baguettes. T'as cru, il est parti aller chercher deux valises marocaines, 30 kilos chacun. Tiens, de la Bendy. Tiens, non, il est parti acheter des flûtes. Ouais, tu sais, ça me fait penser à ça un peu. On a tous été un peu comme ça hein, dans la street. Ouais, un peu. Ouais, tu ouais. Vois. Alors, là, tu donnais une petite image quand on était plus jeune. Tu peux plus rentrer en France. Voilà, quoi. Ce que je fais, je te mens pas, je suis pas trop... Je suis pas trop heureux dans ce que je fais, mais comme je t'ai dit, j'ai pas été épanoui dans le monde du travail. Ouais.
Donc voilà, j'ai voulu aller plus vite que la musique et puis je me suis lancé dedans. Dans ce que je Stueur, fais je me suis actuellement. lancé dedans. Stueur. Voilà. Frérot, Ouais. t'es recherché par la justice française en fait? Non, pas du tout. Bah ici, t'es en France, tu vois. Et Ah si ouais, je c'est devais vrai. te rechercher, je serais pas venu en Martinique, puisque ici, Bah t'es un c'est ce que je territoire me suis français. dit. Non, je fais souvent des allers-retours. Donc voilà, quoi. D'accord. Non, il n'y a pas Et de le fait... recherche, y a rien. C'est juste qu'ici, la cam, elle est moins chère. Excuse-moi d'être direct. Elle est beaucoup moins chère qu'en France. Puis on essaie de trouver des astuces pour la faire passer, quoi. D'accord, un exemple, vous la faites C'est passer pour ça que je comment? suis là. Vous la faites passer comment, Jean? Comment? Vous la faites passer comment? Bah, par les transporteurs, par l'aéroport. Après, par voie maritime, j'ai pas encore le filon. Oh là Par voie là là là, maritime, ce c'est serait des pas toi cargos. qui c'est pas toi qui construis des sous-marins à Par voie Medellin, à maritime, ce serait le Medellin. filon, ce Oh serait là, top. il m'a dit j'ai Après, pas il le faudrait un filon. paquet d'argent pour investir dans un C'est une cargo, tu blague. vois. Et je suis Attends, pas encore parce à ce que niveau-là. Air Cocaïne, c'est toi, parce que toi tu maîtrises l'avion. Là, tu viens de me C'est dire un j'ai pas le dommage. filon pour les sous-marins. Oh, je tueur à gage. Oh mais je suis Air putain, Cocaïne, t'es un c'est un tueur. dommage. C'est la République d'homme. Maintenant, c'est fini là-bas. C'est grillé. Hein. Il y Maintenant, en a un, il m'a dit. les Sud-Américains, les Vénézuéliens, ils se sont rendus compte qu'il y a des petites îles juste pas très loin dans les Caraïbes qui sont françaises et c'est plus facile pour eux de passer la dope. C'est pour ça Putain de que voilà, ça merde. transite par les Antilles françaises maintenant. Et c'est Donc voilà. encore. Ah donc, t'es en Comment? contact avec la French Connection, avec Gaëtan Zampa, les frères Guérini, avec. Ah Oh ça non, c'est. non, non. Ah ça c'est l'héros, la French Putain Connection, c'était à l'époque. de C'est l'héros. Alors, comment tu vois finir ta vie, frère? T'as deux solutions, la prison ou le cercueil. Wallah. Ah, frère, Wallah. voilà. Non, ouais, Oh. non, le cercueil, non, Inch'Allah que non, puisque je fais attention à moi, tu vois. Fais Je parle attention, pas avec frérot. n'importe qui. Ouais, bah oui. Non, non, Tranquille, après la teuf, je reste sais dans ton. pas, Allahu alem, mais le Non, dis cercueil, pas, frère, Inch'Allah tranquille, que viens, on non, met le quoi. pain là dedans, Je regarde, fais là, on tout est en train pour. de faire du swag. Comment? Non, frérot, continue ton Ouais. trafic Ouais. de bananes plantain. Bah, c'est un boulot aussi, hein. Wallah, c'est un boulot, frère. C'est Ton un trafic travail, de hein. bananes On plantain. dit l'argent facile, mais wallah, c'est Oh là. encore plus dur que le khidma, que C'est l'ihlal, vrai? frère. C'est très Ah ouais, compliqué. merde. On doit te Ça, plaindre, frère. nous, on doit pleurer alors, c'est ça? Ah ouais. Ouais, bah Non, du tout, frérot. ouais. Du tout, Ouais, du tout, du tout. Je suis juste venu, voilà, en tout anonyme, tu vois. ouais. T'es un bon, Partager t'es un un peu mon bon, t'es venu expérience. en Bah, je te anonyme. suis depuis 2015 et j'ai jamais entendu ce genre de sujet. Donc, je me suis dit pourquoi pas. Bah, Pourquoi pas en parler? frérot, Après, si t'as des les questions, gens. pose-en moi. Non, non, bah, les Si gens ça ne posent t'intéresse. pas on pose Si pas ce genre de t'intéresse la questions room, dans tout une ça, s'il y a des radio. questions. Non, Je veux on savoir pose le pas prix ce de la genre de dope. questions dans une radio où Si c'est ça leur rempli de intéresse de tecs. venir pour faire un voyage ou deux. Non, tranquille, là Renvoie le catalogue, là. frère, renvoie le catalogue. On envoie le Hein? catalogue, mais frérot, quel catalogue? Il va t'envoyer jouer club, le Catalogue, frère. Il va envoyez du t'envoyer un shit, du bateau shit, shit, il est Playmobil. cher ici, c'est le prix de la coque, il Ah descend bon? vite. Envoyez du Ouais, shit, ce qui frère. paraît. Ça veut Je dire, la résine, elle est beaucoup demande plus à chère. la radio à deux Ouais, téléphones. dis-moi. Ouais. Pablo, la résine, elle est beaucoup plus chère, donc. Comment? La résine, La elle est résine? beaucoup plus Ouais, chère, ouais. largement, bah oui. Le kilo, il est à 10 000 euros. 10 000 euros le kilo! Ah ouais, frérot. Ouais. Bah Le oui, frère. kilo, 10... On est loin du Putain. Maroc, on a 8 000 bornes. Plus t'as des kilomètres et plus le produit augmente. Tiens, je voulais te poser une Ouais. question, En fonction des kilomètres. Ouais. le Martiniquais, il fume pas de rnouf. Il fume uniquement bœuf, Si? lui. Il y a que de... Mais Hein? non. Mais t'es un Non, fou, y a c'est aussi. fini ça. C'était à l'époque la locale. Les jeunes ici veulent que du shit. Ils veulent que du shit. Bah oui. C'est le produit à la mode. Tu leur proposes la bonne skunk ou du shit, ils vont te prendre du shit direct. Mais frérot, de la skunk, ils en ont dans les champs, ils ont de la Sensimilia, ils ont de l'herbe marron, tu colles, l'herbe elle est Est marron. dégueulasse. Et fou, ça pue le foin. La locale, elle En pue le plus, foin. Après, la skunk, ils t'as des fument mecs qui dans en des font pousser dans blends. des appartements, vite fait. Ouais. Mais on est beaucoup plus sopé en Europe, tu vois, l'Espagne, la Belgique, la France. Tout ce qui est beau, c'est meilleur vers chez nous. Ici, le gramme, si tu veux Putain. savoir le gramme de skunk, il est à 20 Non balles. mais tranquille, le gramme À de 20 euros, quoi? bah Garde je à vue! sais. Demain je vais en GAV demain!
Putain, les frérots, merde. Fais chier, ça. Mesdames et messieurs, c'est la pause, on revient dans 15 minutes. Merde. Ah, putain de merde. Voilà. We'll be right back.
We'll be right back.
Ouais. Deuxième mi-temps, Radio Africa. Ouais, bienvenue à vous, deuxième mi-temps, installez-vous. Le film debout, c'est pour demain. Salam les gens, ça va, vous allez bien, les choses se passent. On s'installe, bon. Dépanner nous face à Mir, c'est bon. Wallah, Samir, tu nous as mis une tête comme ça, Samos, vas-y, prends. Une angoisse, le pélo, une angoisse. C'est une merde. Ça va, les gens, vous allez bien? Impeccable, impeccable. Allô? Allô? Allô, Selem? Ça va, Selem? Selem, ça va? Ça va, et toi? Alors, attends. Ouais, super. Célia, Célia, cette musique est éclatée. C'est l'hôpital qui se fout de la charité. T'as vu la tête de Msenen ratée à la poêle que t'as? Hein? T'as une tête, on dirait un tableau de Picasso? T'as un œil en haut, une bouche en bas? Akallah l'adim, l'autre elle parle, ma musique. Elle est plus propre que ton cul, je crois. Ouais, je t'écoute, mon ami. Ouais, tu veux parler de quoi? Moi, je voulais avoir ton avis sur l'école actuelle. Que oh penses, putain! 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 Ouais. Même si je sais que t'es un troll, hein. L'école d'aujourd'hui. Non, la vie de ma mère, non. La vie de ma mère, non. Je suis pas un troll. Ok, tranquille. Tranquille. Jure pas la vie de Janine, tranquille. Laisse-la à la caisse là-bas, hein, Lidl. Moi, il y a une chose que je peux te répondre à ça et ça va tout à l'heure résumer. Qu'est-ce que je pense de l'école aujourd'hui? Ben, j'en pense plus rien depuis qu'on a retiré à l'école primaire les toilettes garçons et les toilettes filles. Maintenant, c'est mélangé. Ah oui. Rien que pour ça, ça te montre où est-ce qu'on va, hein? Ouais, t'as raison, t'as raison. Mais, ouais, moi, je veux dire un truc, moi, au collège, au lycée, j'étais dans un collège de fous. Mais vraiment, ouais. Un truc de baiser, je peux te raconter des histoires, même toi, tu vas choquer. Histoire, mais la vie de ma mère, c'est vrai, je mens pas. En quatrième, il y avait des meufs qui suçaient. Il y avait des meufs, elles étaient là dans les toilettes. Nous, bon, c'est pas encore mélangé. Dans les toilettes des gars, il y avait des meufs, elles se mettaient dans les toilettes. Putain, c'est chaud. Il y a pas longtemps. Il y a pas longtemps. Frère, j'ai une question à te poser. Aurais-tu dans ton placard une veste Rivaldi? Non, je vais juste te dire une chose. En quatrième, putain, non, nous, on était loin de ça. Franchement, non. Au collège, nous, si t'arrivais à toucher un morceau de bzaise quand t'étais à la piscine, t'étais considéré comme un grand. Mais là, tu me dis, ouais. Ça pompe dans les toilettes en quatrième? Non. Mais wallah, que c'est... Je suis sérieux. Non, jure pas wallah, tu étais sympa, là. Frère Bertrand, t'es en train de jurer wallah. Putain, d'où est-ce que tu viens? Du 5-9, c'est le Valentin? Non, tu... Je viens de Lille, ouais, pourquoi? Ouais, à côté, on était pas loin. Putain, ça craint, ouais, t'as raison, wow. Ouais. Wow, ça craint, putain. non, c'est vrai. Regarde, moi, des histoires comme ça, il y a eu des bails bizarres, tu vois. Mais après, faut pas faire trop attention, mais je sais, il y a plein de gens, ils ont été dans des collèges. Et en plus, je me crois pas supérieur ou quoi, hein, mais vrai, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ouais. T'es dans un groupe. Moi, voilà, j'étais dans un groupe, dans une classe. Je te jure, il y en avait, c'était des trous du cul. Mais comme t'en... Mais je suis sérieux, là. Mais comme t'en as jamais vu. Des gens, ils te racontaient des histoires, tu pleures. Tu sais, il y avait des moments où je me mélangeais même plus avec la classe. Et t'avais des interventions, parfois, là, des conseillers d'orientation, des psychologues et tout. Et une fois, on m'a convoqué parce que ouais, ils disaient... Ouais, parce voilà, que t'étais impliqué dans le scandale de Outreau. Hein? Myriam Badawi, elle nous a parlé de toi. Non, de quelle origine t'es, frérot? Comment? De quelle origine t'es? Je suis algérien. Algérien, ok. Algérien du 5-9, c'est le Valentin? Ou algérien d'où tu viens, au bled? Ouled Jelen. Ah, ok, d'accord. Ok. Et donc, toi, tu te mélangeais plus à la classe, quoi? Hein, tu... Non, je me mélangeais plus, mais à partir de là, ça a commencé les théories. Je suis sérieux, ils commençaient à... Des théories du complot sur moi. Des trucs de fou, tu sais. Ils pensaient que j'étais surdoué, que j'étais un surdoué incompris et tout. Un surdoué dans le Nord, que ça doit être. Ça, c'est... Ouais.
Oh merde, bordel de merde. Dans quel sens t'es considéré comme un surdoué, frérot? Dans le sens où, je sais pas, où j'étais seul, où j'avais de la culture pour eux, mais pour moi, c'est pas des trucs, c'est des trucs normaux, tu vois. Et pourquoi tu voulais pas te mélanger au reste de la classe? Parce que j'avais pas envie de devenir comme eux. Ouais. Tu as J'avais raison. vraiment. Non, non, c'était. Tu sais, ils parlaient de trucs pas nets. T'en avais, ils étaient petits, ils faisaient des trucs. Voilà. Des trucs de bizarre. Ouais, non. J'aimais pas, tu vois, les trucs comme ça. J'aimais vraiment pas. C'était pas mon délire, tu vois. Ouais, c'est pas ton délire. Tu as raison. En quelle classe t'es maintenant? Je suis en seconde. Là, je te jure que j'en vois encore des trucs, là. C'est vrai? Ça y est, t'es rentré au lycée? Ouais, je suis entré au lycée. Qu'est-ce que ça fait? Putain, moi je me rappelle, lycée 1996. Ouais. 1996, je rentrais dans un lycée où, putain, Jacques Brel, le nombre de femmes qu'il y avait à Jacques Brel. À Vénissieux? Oh! Alors, tiens, on va parler des lycées un peu. Je sais pas c'est quoi Vas-y. votre ville, vous mettrez les noms des villes avec les noms du lycée, mais on va parler lycée un petit peu. On s'était dit rendez-vous dans 10 ans, on pète sa mère! Nous, avant, moi, j'allais au lycée Jacques Brel, à Vénissieux. Lycée général, il y avait le côté Jacques général et le côté Brel, Jacques Brel, c'est un chanteur, hein, voilà, sur le port d'Anvers, bon. Eh ben, voilà, c'était un des lycées où il y avait le plus de meufs. Et quand on prenait le bus, quand on s'arrêtait, nous, au lycée Jacques Brel, il y avait tous ceux qui partaient à Bron Bâtiment. Ils avaient la tête collée sur la vitre avec de la buée. Ils regardaient les meufs qui descendaient. Et il y avait des lycées aussi à Lyon. C'était blindé de meufs. Par exemple, il y avait un lycée. C'était un lycée, je ne sais pas à l'heure d'aujourd'hui, mais il y a un lycée de vieilles casseroles où il n'y a que des meufs, il n'y a que des ratonnes. Tu vas à Ouais. Jean Lurçat dans le 8e, Jean Lurçat à Lyon 8e, il n'y a que des ratonnes. Que des ratonnes. Elles sont bonnes, mais c'est des ratonnes. Ah, je te nique ta Ouais. mère! L'autre, elle a un méchant boulot, ah, je te nique ta mère! Voilà. Il y a des lycées à Lyon. Après, il y a des lycées sur Lyon où il y a des robeux, ils ont pu en qui dans ces lycées. I'm since my hero. Je parle du lycée du Parc. Jules Récamier, oula, pousse-toi de devant! Les gens de Saint-Fons, t'es allé à Récamier, oulala, pousse-toi! Ouais, il y avait des sacrés lycées où il y avait plein de meufs. Et tu remarques, devant ces lycées, il y avait toujours des mecs qui venaient chercher leurs potes, genre. C'est pas vrai, ils venaient voir les meufs. Putain, la belle époque. La belle époque. Voilà. Alors, on a le lycée Jean Jaurès à Argenteuil. Apparemment, c'est rempli de femmes. La Sauvagère dans le 9e. Ouais, aussi, c'est rempli de ch'touilles. La Fourragère à Marseille. Lycée Jean Massey dans le 79. On vous donne les lycées où il y a plein de meufs. Alors, lycée Hélène Boucher, ouais, bof, à hein, Vénissieux, bof. Romain Rolland, Val d'Argenteuil, ouais, la Duchère aussi. La Martinière Duchère, c'était de la folie. Moi, je. Ah ouais, non, non, non. Lycée Philippe Lamour à Nice. Alors, les Mureaux. Lycée. Non, Marcel Sambaille avec des zeubs. On était à Marcel Sambaille avec des paf. Plâtrier peintre. L'autre, c'était un Roumain, t'avais 16 ans, il avait le même âge que toi, il avait une barbe comme ça, il avait trois gosses. Non, non. Lycée Ampère, lycée Lumière, ouais. Dans le 69-008, lycée Lumière, oui. Mais Jacques Brel, je sais plus maintenant. Non, maintenant, je vois que des hijabeuses qui ont des Vans. Qui sont devant le Ouais. tramway. Ouais. Mais moi, à l'époque, ouais. Oh, frérot, à l'époque, quand j'allais en lycée, à ton âge. Je me levais à 6 h du matin, la tête de ma mère. Écoute Ouais. bien, je me levais, je me préparais. On essayait 3-4 jeans. Je mettais ma veste et ma lit en scène parce qu'avant, je me prenais pour un Renoir avant, tu vois. Je mettais une veste et lit en scène. J'allais au lycée, j'étais content d'aller au lycée. Il y avait toujours des meufs qui étaient là. Je venais à 7 h 30. Je restais devant le portail, je traînais un peu, je voyais les gens qui rentraient. Quelle belle époque! Quelle belle époque! Wallah, Mais quelle toi, belle avant, époque! t'étais un élève sage, t'étais comment, toi, avant? Moi, En j'étais vrai, un hein. meneur, moi.
Non, moi j'étais un meneur. Non, sérieux. La tête de ma mère. Ah, oh, sa mère la pute à celui qui rentrait dans le cours. Non, moi j'étais pas attentif. J'avais de bons résultats, mais j'étais pas attentif. Mais par contre, je participais déjà beaucoup à la vie de classe. Délégué de classe. On était là. Mais bon, mes années lycée, je les ai bien aimées. Parce que j'ai grandi avec mon âge. Même au lycée, j'ai pas vu de femmes tirer des pipes. Jamais vu ça. Ouais. Nous, on Mais avait un lycée, honnêtement, c'était l'époque. Voilà, c'était honnêtement, l'époque. moi, il y a mon père et tout. Tu sais, je parlais vite fait de voilà, lui, il me disait, ouais, moi, quand c'était petit, ça avait rien à voir et tout. Mais en vrai, est-ce que, moi, je pense que si demain, tu devais revenir, je sais pas, même en tant que surveillant dans un lycée, tu seras abasourdi. Mais moi, je kifferais. Moi, si j'avais pas de Ouais. casier, moi, je deviens pion. Je les démonte. Mais moi, je deviens pion. À Jacques Brel. Salam alaikum, les gens. Ça va bien? Toi, là-bas, là, ouais. Ouais, toi, le buzzer, là. Viens là, viens. Viens voir. 1 heure de colle. Par rapport à quoi? Parce que... Toi, 2 heures de colle. Mais j'ai fait quoi? Parce que à force de prier avec ton jean déchiré, toi, viens là. Moi, je kifferais être pion. J'aimerais bien être pion avec les jeunes. Je parle avec eux. Ça va bien. Ouais, T'imagines avec les maudits 2000 en territoire ennemi. Je kifferais. Je viendrais travailler gratuit. Wallahi l'adim, gratuit. mais moi, Wallah, regarde. s'il y a un lycée qui veut me prendre, prenez-moi gratuit. À 7h15, je serai devant le portail. Selem, ouais, Selem, oui, c'est pourquoi? Oui, moi je viens. Je viens. Je travaille gratuit. Mesdames et messieurs, gratuitement. Juste tu mets pion. Viens ici. Hé, hey, McFly! Oh là 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 là. Oh là là. Par contre, si demain je suis un pion, si t'es retenu, si je te mets des heures de colle, tu ne pourras plus t'en passer. Parce que quand tu vas voir la salle de retenue que j'ai fait, il y aura que des meufs! Des hijabs glace à l'italienne! Des khemjas avec des gros seins! Il y aura que des meufs en retenue! Ouais, bien sûr. Putain, qu'est-ce que j'aimerais bien. Alors, je mets ma candidature si un lycée il aimerait bien me prendre. Je viens, je suis pion. Au moins pour un jour. Oh là 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 là. En vrai, Bassem, en vrai, tu vois là, avec ce que je t'ai raconté et tout, tu dis pas dans 20 ans, dans 20 ans, il y aura des problèmes. Tu vois les trucs ici que je te raconte. Mais c'est vrai, hein, c'est même pas un Mais troll non, quoi. mais c'est vrai, ça va évoluer du mauvais côté. Ouais, wallah, Ouais, bah ouais, ça va ouais. perdre son charme, ça va. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Franchement, mon ami, profite du lycée. T'es en Ouais. seconde, t'es en pleine adolescence. Bon, votre adolescence maintenant, elle est bizarre. Hein, Ouais, je suis une catin, elle est bizarre. Mais ça va. profite. Les meilleures années, c'est les années lycée. Seconde, première. Normalement, tu commences à sortir avec une meuf en fin Ouais. d'année scolaire, vers mai. Et cette meuf, t'es avec elle en première. Ensuite, vous cassez pendant l'hiver, vous reprenez le printemps et vous finissez le bac ensemble. Normalement, c'est ça le chemin. Nous, à l'époque, c'était ça. Putain. Ouais. On demandait aux femmes de sortir avec nous. Tu veux sortir avec moi? Un jour, il y en a une à côté de la salle de Madame Bourdon. Je lui ai mis un... Non, je l'embrasse en sciences naturelles. Putain, comme c'était bon à l'époque. Vous vous rappelez les classes, là, c'est bizarre, avec un lavabo qui ne marchait jamais. Voilà, ça, là. Ouais, on a encore ça en France, ouais, ces trucs-là. Ouais. Mais Ouais, par contre, franchement, ouais. j'ai un conseil à te demander, par contre. Moi, plus tard, j'ai envie de rentrer dans l'armée, tu vois. Mais le problème, c'est je suis algérien, mon père, il veut pas, il dit... Je sais pas, c'est compliqué. Je sais pas quoi faire, en fait. En vrai, c'est ce que j'aime, mais je sais pas quoi faire. Tu veux rentrer dans l'armée par conviction ou par sécurité d'emploi ou par... Il y a plusieurs, il y a conviction, il y a la sécurité d'emploi, c'est vrai, il y a des trucs,
comment ça s'appelle, ton contrat, voilà, tu peux avoir des contrats solides. Bon, si tu as fait des études, tu peux avoir des bons contrats. Voilà, même il y a des vraies valeurs qui sont transmises là. Même ouais, c'est mieux les moi wallah frérot, je veux pas rentrer dans ce débat en tant que musulmans qui sont dans l'armée française. Moi, ouais. Ce que je peux te dire, les utopistes diront toujours « Ouais, mais ils tuent nos frères, ils tuent pourquoi ?» Ceux qui tuent tes frères, là, dans les attentats, c'est tes frères, eux ? Non. Ah non, ouais, ce que je veux dire, c'est que je préfère ça, qu'ils soient à l'armée... Je préfère les voir dans l'armée du bled. Mais puis qu'ils n'ont pas d'attache avec le bled, ils font l'armée française, c'est pas une honte d'être dans l'armée française. Big dédicace, mes généraux, mes officiers, tous les gens de la TH qui nous regardent. Alhamdoulilah, on a la marine nationale qui est avec nous, la marine. Big dédicace à la marine. Ah ouais, je reçois beaucoup de photos du Charles de Gaulle. Wallahi l'azim. Big dédicace à l'armée de terre. Bien sûr, à ceux de Djibouti aussi qui nous suivent. À tous ceux qui sont là, qui prépareront. Big dédicace à l'armée de l'air aussi, bien sûr. Ah, les bases navales, ils nous regardent aussi. Voilà, big dédicace à toutes les armées. Tant qu'il y a des armées dans des pays, c'est qu'il y a des hommes. Voilà, c'est ça qu'il faut se dire. Après, c'est important. Après, moi, je trouve, honnêtement, moi, je trouve que depuis que le service militaire là, de 96 a été arrêté, je trouve qu'il y a eu une émergence des mentalités de fragiles. Je sais pas ce que je veux dire. C'est vrai, bien sûr que c'est vrai. Bien sûr que c'est mais vrai. Mais regarde les trucs LGBT, je sais pas quoi. Attends, mec. Ah ? Allô ? Ouais, allô ? Ouais, tu nous as parlé de... Tu nous as parlé de LBGT, t'as fait un bruit bizarre après. Comme si tu te la rentrais. Qu'est-ce qui se passe ? Faut pas parler de ça. Faut passer à autre chose. Ouais, j'ai... Ouais, t'as raison. Non, on parle pas de ça, nous. Pochon, on coupe, hein. Là, elle éteint les gens, merde, vous voulez pas qu'on... Bon, allez, j'ai été sympa avec toi. Non, bon, bref. Ouais, ça va, c'est bon. Ça va, tu changeras. Allô ? Ouais, ça va. Allô ? Salem ? Allô ? Allô, ouais. Allez, ouais, toi, tu dis pas Salem, allez, direct. Allô ? Allô ? Oui ? Allô ? Oui, Salem ? Oui, Salem, Bassem, ça va bien ? Ça va, et toi ? Ça va. D'Ivoire, je voulais te parler d'un truc. Tout à l'heure, il y a un mec qui a parlé des jalousies, etc. Tu te souviens ? Des jalousies ? Ouais, je m'en... Ouais. Un petit peu, donc, ouais, voilà. Bref. Bon, je vais t'expliquer. Moi, je suis un jeune maghrébin de 24 ans. Je suis un jeune marié. Tu me suis ? Bien sûr. Et en fait, je voulais te parler des relations entre belles familles. C'est-à-dire... Ah. Voilà. Okay. Parce qu'en fait, il y a un très, très gros problème, là. Tu me suis là, enfin, je sais pas si ça arrive à tout le monde, mais bon, je vais te parler cash, hein. D'accord ? Ouais. Je bande sur ma belle-sœur, voilà, c'est ça. Sur la vie non, de la rien, c'est... Non, c'est chaud, frère. Je la voyais arriver. Écoute, wallah, ouais, je la voyais arriver. Ouais, je vais t'expliquer. T'es un troll. Non, mais je te parle. Non, ma parole que non, je vais t'expliquer. T'as vu, je suis un jeune marié, ça fait peut-être 6 mois, tu vois. C'est marié, bon, ça va. Je suis algérien. Famille algérienne. Non, mais dis pas t'es doux. Pourquoi vous cassez les couilles? Bon, attends, il y a une chose que je peux te dire. Tu rigoles. Ouais. Tu rigoles. Mais il y en a, il doit faire les choquer. Mais j'en suis sûr. Starfallah, pas sur ta belle-sœur. Non, mais t'es un fou. Bah si, c'est le problème. Mais attends, je vais venir. Là, j'étais à un dîner. T'as vu, on se voit tous les samedis. Petit dîner chez la belle famille, tout se passe bien, etc. Et tout à l'heure, c'était chaud. Elle m'a fait du pied. Pardon ? Elle m'a fait du pied, la belle-sœur. J'étais en face d'elle. Mais c'est un film de boule, ton truc. Allez, arrête, frérot. Elle m'a fait du pied. Non, attends, s'il te plaît. Non, c'est sérieux. J'ai paniqué, t'as vu, j'ai paniqué. Et au début, ça a commencé tout doucement. En fait, au début, moi, c'est vrai que je la trouve jolie, etc. Bon, je baisse un peu le regard, tu vois. Mais j'ai vu qu'il y avait des petits jeux. Tu vois, c'était électrique. Et après, petit à petit, à un moment donné, je me suis retrouvé dans une chambre toute seule avec elle. On devait monter une armoire pour sa petite sœur. Ah, mais vas-y, frérot. Alors, donne-nous directement le nom du film de cul que tu as regardé. Toi non, et ton scénario. Non, arrête, frère. Non, mais entre nous, t'as monté. Écoute,
T'as monté, la meuf, elle a voulu monter une étagère, t'as vu son gros boule, tu lui as mis un sbar, c'est bon, allez, arrête. Non, j'allais pas dire ça, non. Allez, ça va, allez, hop. La mère à Stifler, elle est passée déjà, il est con celui-là. Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, Salem ? Salem Bassem. T'es un garçon, t'es une fille ? Ou t'es un 2000, je comprends pas. Ouais, bah ouais. Tu raccroches, c'est très bien. Allô ? Allô ? Wallah, il y en a, ils ont des connexions du Mexique. Wallah. Allô ? Oui, allô, Bassem. Salam alaikum. Alaikum salam. Oui, je voulais te parler d'un truc. Hein ? Je ressens. Est-ce que je peux te parler d'un sujet ? Ça dépend lequel. Je ressens quand quelqu'un va mourir. Tu ressens que quelqu'un va mourir ? Oui, par exemple, je ressens quand quelqu'un va mourir, je le dis à ma famille, et puis boum, ça tombe, et puis bah, la personne elle crève. J'ai pas compris, tu ressens contre la mère ? Enfin, non, je rigole. Non, tu ressens que... Tu ressens que les gens, ils meurent, ça veut dire... C'est dans ta famille proche, c'est... Déjà, non, tu nous appelles, dis, t'es qui ? Tu sors d'où ? Je comprends pas. T'es sur quel site ? T'es... Vas-y, donc... De quoi ? Ben, c'est moi. Ouais, je pensais que tu étais escorte. T'es quoi ? T'es un traf ? Tu es quoi ? Mais non, je suis normal. Comment t'es normal ? T'es normal, toi ? Alors attends, je te jure que je suis normal. Il n'y a pas de problème. Non, mais ici, on accepte tout le monde. C'est pour ça que je vais protéger mon doigt. Je vais mettre une capote sur mon doigt, là, tu vois, pour te raccrocher. Parce que sur toi, ça se voit que tu as le chlamydia. Non, je ne prends pas avec toi, moi. Non. N'importe quoi. Si. Si, non, je ne parle pas avec toi. Mais c'est dommage. En plus, je n'arrive pas à raccrocher. C'est intéressant. D'accord, c'est intéressant. Allez, vas-y, explique-moi. Voilà. Allez, vas-y. Exemple, subhanallah, j'arrive même pas à raccrocher. Ouais. D'accord, allez. Voilà. Allô ? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Ouais, il y a que des Mahmoud qui t'appellent, wallah. Wallah, qu'est-ce que tu veux que je te dise, frérot ? Relève un peu le niveau. Subhanallah. Eh ben, on peut parler de plein de sujets, wallah, je suis ouvert. Ouvert, parle-nous de ce qui te tracasse. Il y a un truc qui te tracasse. À ton intonation de voix, je te vois, Harry. Voilà, la vérité, là, un peu flahé. Ouais, tranquille, frérot. T'es à la maison, bien. Ouais, tranquille. Là. C'est quand, frérot, on va arrêter cette merde, en vrai, voilà. Voilà, c'est vrai que. La honte, frère, voilà, la honte. Mais sahab, la vérité, là, mais sahab, proche, ils ont arrêté. Et. Ouais, bientôt, Inch'Allah, cette année. Inch'Allah, cette année. Un jour, frère, tu sais qu'un jour, j'ai fait une gaffe terrible. Wallah, il a dit, Franjo. Wallah, il a dit, écoute bien. J'étais en couple à l'époque. J'étais chez moi. Je fumais de ouf. Quand tu ouvrais la porte, il y avait un petit meuble où il y avait mes clés dedans. Les papiers, le courrier. Et je mettais tout le temps mon chnouf là. Écoute bien. La mère de mes enfants, elle a ramené sa nièce, elle avait 3 piges. Wallah l'adim, elle ouvrait les placards, elle est tombée sur le chnouf miskina, elle a cru que c'était du chocolat, frère. Elle l'a avalé. La mère de mes enfants, elle l'a fait cracher, la petite, elle allait mourir. Je suis rentré avec du pain, j'étais content, j'ai été accueilli avec un balai, frère. J'allais la tuer. La petite, j'allais la tuer. Faites attention, les frangios. Wallah, faites attention. Vous planez, vous laissez le chnouf traîner, le petit, il vient, il mange. Imagine, défoncé. Ah, faut faire attention. Miskina. Après, je te mens pas et tout, là. Je suis en général, non, dehors et tout, toujours dehors. Machin. Je banave un peu. Moi, je fume pas dehors, frère. Je déteste fumer dehors. Enfin, dehors, dans le balcon, plutôt. Dans le balcon, voilà. Ouais, non, tu te fais une toute... Inch'Allah qu'on arrête cette merde, mais tu te fais une toute petite boîte. Voilà, le soir. Voilà, frérot. T'as accompli tes 8 heures, les pieds en éventail. Alhamdoulilah, frère, les gros doigts de pied qui claquent. Voilà, c'est très bien, ça, frérot.
En tout cas, ça fait bien plaisir de t'avoir. Barakallahu fik, mon frère. Prends soin de toi. Big dédicace à toi. À bientôt. On s'en bat les couilles d'eux. Big dédicace à toi. Salam alaikum, frérot. C'est un bon, frérot. Bah ouais, c'est un bon. Allô ? Allô ? Salam. Tranquille ou quoi ? Ça va et toi ? Check. Ouais, j'ai rien à dire, mais va niquer ta grand-mère la pute. Ouais, je savais. qu'est-ce que ça fait d'être plus à la mode ? Bien, ça va ? Bien. Attendez, c'est que le début. Allô ? Allô ? Ouais, Selem ? Selem, Bassem, ça va, tranquille ? Ça va et toi ? Bien, impeccable ? Alhamdoulilah, ça va. Impeccable, alhamdoulilah, je t'écoute. Je suis un 2000, tu vois ? Ouais. Et franchement, j'en ai marre de tous ces 2000 qui nous dénigrent, qui mettent à mort notre communauté, franchement, je voulais parler de ça. Mais il y a des bons 2000 ! Oui ! Est-ce que t'es un bon 2000, toi ? Rayhavdek, Bassem. Non, mais je t'ai pas dit que t'étais un bon, je te pose la question. Est-ce que t'es un bon 2000 ? Ben moi, frérot, je suis dans les études, tu vois. Bien. Je vois des fois, tu parles un peu d'études, tu donnes des conseils. Franchement, j'aimerais bien parler d'études et tout avec toi. Parle avec moi, s'il te plaît, vas-y, je t'écoute. Je suis en prépa, tu sais ce que c'est qu'une prépa ? Ouais, bien sûr, c'est la fac, ça. En fait, c'est pas vraiment la fac, c'est après. C'est pas vraiment la fac, c'est des cours. Ouais, tu fais des prépas dans certains métiers, je m'en rappelle plus trop, mais bon. Voilà, c'est ça. En fait, t'as des prépas. C'est l'équivalent d'un bac plus 3. Je vais t'expliquer, si tu me permets. En fait, après le bac, il y a des prépas commerce, prépa littéraire et prépa ingénieur, tu vois. Et ça dure entre 2 et 3 ans et tu prépares des concours. Et en gros, tu vois, moi, je suis en prépa ingénieur. Et c'est l'équivalent de Mathsup, de l'époque de Mathsup. Et j'ai remarqué qu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de jeunes de notre communauté. C'est très, très rare. Par exemple, dans ma classe, on est 44 et on est 3 de ma communauté. Dans d'autres classes, il n'y en a peut-être pas, tu vois. Et je ne comprends pas pourquoi. Voilà, je voulais faire passer un message et s'accrocher aux études. C'est quoi le parcours que tu as eu, toi ? Moi, j'ai fait un bac S, tu vois. Machallah. J'ai fait un bac S et là, gros, voilà, c'est comme je t'ai dit, c'est Mathsup. Donc là, c'est prépa, tu vois, c'est très, très dur. L'année dernière, tu vois, j'avais des facilités et tout. Mais quand tu arrives en prépa, c'est là que tu vois la vraie difficulté de l'école. Et voilà, et là, en gros, c'est 2 ans de maths, physique, etc. pour ensuite rentrer dans une école d'ingénieur, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi, frère, une école d'ingénieur. Alors, toi, tu penses que les hautes études sont un entonnoir ? Tu penses que le Maghreb serait très si place ? Parce que c'est très Exactement. Intéressant. Une femme, elle m'a dit, mais comment tu veux pas qu'on se métisse ? On fait des études, on arrive à bac plus 8, il n'y a que des blancs. Qu'on des sandales, qui fument des joints dans le plateau du Larzac, là-bas. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas de robeux, les robeux. Ouais, c'est incroyable. Non, incroyable. Et en fait, je pense qu'on est dans un système, tu vois, où c'est très inégalitaire. Parce que dans ma classe, par exemple, tu as beaucoup de personnes qui sortent de grands lycées, où ils ont beaucoup de moyens, où les parents, voilà, souvent, ils ont payé des cours particuliers quand ils étaient plus jeunes. Les parents, ils sont très, très, très stricts au niveau de l'école. Depuis qu'ils sont petits, ils savent qu'ils vont finir ingénieur, tu vois. Moi, je suis arrivé dans ce milieu-là. Je n'étais pas certain, voilà, tu vois. Nous, on est des jeunes. On essaie de tenir les études, d'avoir un bon salaire, etc. Eux, ils savent dès qu'ils sont jeunes qu'ils vont finir ingénieur, tu vois. Donc, je ne dirais pas que c'est un problème d'éducation, tu vois. Mais dès qu'ils nous disent que, voilà, on est dans un système... Permets-moi de te couper. C'est un problème de milieu. Est-ce que dans leur milieu, on n'est pas mieux épanoui dans la construction d'école ? Je ne parle pas des valeurs et des principes. Je parle de la construction d'école parce que justement, on les pousse vers. Moi mon frérot, je fais partie de cette génération où les femmes de ma génération ont été sacrifiées pour de vrai. Il y avait des femmes, c'était des vraies têtes. Des tueuses à gages. À l'école, wallah, elles avaient le niveau de faire décoller Spoutnik. Elles avaient le niveau presque. Elles ont tout arrêté parce qu'on les a mariées.
il y a beaucoup d'yeux de talent gâchés dans notre communauté, ma génération à moi. Parce que nous, avant, une femme, elle se différenciait par ses résultats. Tu sais qu'avant, au lycée, une femme qui était intelligente, elle avait la barre. Tout le monde voulait se la faire. Wallah, véridique! Maintenant, il faut qu'elle vienne en legging et en claquette en mousse, cette ramja, là. Ouais. Donc, malheureusement. Toi, tu penses peut-être que tu as évolué dans un environnement propice, hein. Tu as fait quand même un bac S. C'est très compliqué, frère. Alors, combien était le ratio? Parce que là, je vois dans la room la Soubé qui nous dit bon, 44, ils sont 4, 10%, je trouve ça bien. Est-ce que en terminale S, vous étiez déjà moins drobeux? Est-ce que tu sentais l'hémorragie? Ouais, on était quand même moins drobeux. J'avais quelques bons amis à moi, tu vois. Mais c'est à partir du bac, quand tu choisis ta filière S, LES, etc. Voilà, il y a moins d'arabes en S. Et souvent, bon, après, il y a des métiers nobles comme les bacs pro, etc., que je crache jamais là-dessus. C'est très, très bien, tu vois. Mais voilà, il y a beaucoup de bacs STMG, par exemple, où ils qui servent à rien. Ouais, après, certains réussissent, hein, franchement. Mon frère, appelons un chat un chat. Quel est le bac discount? Moi, je sais que le bac numéro 1, c'est le bac S. Le bac discount, c'est le bac qui sert à rien. Le bac pour finir dans un bac à quick en train de faire des frites. Il y a des bacs qui servent à rien. Il y a des bacs, c'est simplement des bacs à sable pour dire à leur papa, à leurs parents, j'ai eu le bac pour que sa mère, elle rentre au bled. Il a repris le bac. Oh, mon fils, il a eu le bac. Tu vois, c'est de la merde, quoi. Enfin, c'est pour ça que moi, j'ai fait un bac pro. Je voulais faire bac S, mais j'avais pas trop le niveau. J'étais juste. C'est pour ça que je me suis réorienté. Mais le bac S, c'est une filière noble. Alors, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, toi? Ben, là, en fait, c'est une filière. Il nous prépare à être ingénieur. Mais ce qu'on fait vraiment, vraiment, c'est beaucoup, beaucoup de théorie. Comme je t'ai dit, c'est Mathsup de l'ancien temps. Enfin, moi, je ne s'appelle plus Mathsup, mais je sais que dans ta génération, etc., ça s'appelait Mathsup. Et voilà, comme je t'ai dit, c'est 2 ans de préparation théorique, pour ensuite rentrer dans une école d'ingénieur où là, vraiment, on va pouvoir toucher de nos mains, faire des stages. Je ne connais pas encore vraiment le monde du travail. C'est vraiment de la théorie, tu vois. Mais voilà, c'est essentiellement basé sur les écoles d'ingénieurs. Et je sais qu'à Lyon, il y a l'INSA. Tu dois connaître l'INSA. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, l'INSA. Voilà, à la Doua, là-bas. Bonne école. Ouais. Bonnes écoles où ils ont beaucoup de connaissances. Il y a beaucoup d'élèves qui sont sortis de là-bas, qui ont des entreprises. Donc, moi, j'ai la mort. Tu me parles de l'INSA. Ça me fait rappeler un mec là qui me regarde. J'ai la mort contre toi. Wallah, frère. Et je lui dis, oh, Nightbot, là, tu me le vends? Oh, il a fait un robot, c'est Nightbot. Il dit, Salam alaikum, Bassem Vinicius. Il me dit, Bassem, je peux pas, c'est mon projet, je dois le présenter en fin d'année. Fourgue-le-moi, je lui dis. Il me dit, en fin d'année, Inch'Allah, frère, t'as intérêt de me le fourguer, que je le mets sur la table, là. Qu'est-ce qui te gêne dans le fait qu'il y a moins de maghrébins dans ces études-là? Ce que je veux dire, c'est que finalement, penses-tu que les études filtrent? Comme le sport filtre. Quoique le sport, moins. Mais les études filtrent. C'est-à-dire, plus tu vas loin dans les études, plus tu vois moins tes potes qui se sont arrêtés avant toi, plus tu... Est-ce que tu penses que c'est comme ça? Et surtout, j'ai une question à te poser, parce que, hamdoulilah, machallah, t'es un bon petit, hein. T'as la tête sur les épaules et tout le reste. Est-ce que il t'est arrivé de te travestir, entre guillemets, pour être intégré? Non, wallah, non, jamais. Je suis toujours fidèle à mes principes et mes valeurs. Après, bravo. Pour revenir sur le point où tu m'as dit si ça filtrait, je ne pense pas tant que c'est les études qui nous poussent à filtrer, mais je pense que c'est le milieu sociétal d'envie, tu vois. C'est le milieu d'envie qui nous pousse. C'est normal si on vit dans des quartiers, des milieux un peu défavorisés et tout, et on va voir tous les potes, etc. Moi, la majorité de mes potes, ils ne sont pas forcément dans des longues études, tu vois, mais alhamdoulilah, j'ai une bonne éducation, voilà, les parents qui m'ont un peu poussé, ça aide. Et si je pense qu'il n'y a pas les parents qui aident, et un peu ce milieu-là qui peut te pousser, c'est vrai que c'est un peu difficile, et je pense que c'est pour ça qu'il y a peut-être un peu moins de maghrébins. Et justement,
Vraiment, je les pousse à aller beaucoup plus alors, loin. Est-ce que... Alors, est-ce que pour toi, s'il y a moins de maghrébins, c'est les choses de la vie ou c'est eux qui ont abandonné ou ils sont... Parce que, franchement, sans tirer la couverture, les maghrébins, surtout les marocains, en maths, ils sont très très forts. Très forts. Et franchement, je science, maths... Le peu de maghrébins qu'il y a en classe préparatoire comme moi, ben, franchement, je vois qu'on assimile beaucoup plus vite les choses, etc., que certains autres. Il y a ce côté... Parce que nous, on est les descendants... On est les descendants des gens qui ont inventé le zéro. C'est pour ça qu'on est resté zéro. Exactement. Tu vois c'est les Indiens ont inventé les maths, mais nous, les Arabes, ils ont appris le zéro. T'enlèves, tu sais que si t'enlèves... Ben, toi, tu me le confirmeras. Si t'enlèves le zéro, je crois que le monde, il... Ah oui, non, mais ça... Il s'écroule, je crois. Un déséquilibre complet dans les maths. Je suis d'accord, des catastrophes mathématiques, ça c'est sûr. Mais et ouais, tu excelles en quoi dans les sciences? Ils ont toujours été bons, comme surtout dans... On voit même qu'il y en a qui ont réussi à créer des robots qui vont sur Mars, comme Curiosity et tout. Ça, ouais. Quand on parle et tout... Opportunity, c'est... le petit frère. C'est un Algérien qui était dedans. Opportunity, ouais. Et il y a aussi Curiosity, c'est... Une Marocaine, un Marocain, mashallah, 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 c'est merveilleux, c'est fantastique. C'est fantastique, frère. Dans le spatial, mais... l'aéronautique, etc., franchement, on peut faire beaucoup de choses. Et je pense que si vraiment... Non, on donne pas, on donne pas les moyens, mais ça va pas, mais frère, mais ça va pas à la tête. On donne pas les moyens aux scientifiques maghrébins. Ça va pas, le Maghreb n'est pas intéressé par la conquête de l'espace. Non, le Maghrébin préfère donner... Non, mais Maghrébin de France. Oui, mais Maghrébin de France, on peut réussir où? Dans les entités européennes ou américaines. Est-ce qu'en Tunisie, au Maroc, en Algérie, on travaille sur la conquête spatiale? C'est une blague. On préfère donner des terres à un chanteur. Ouais, Bella, eh Bella, on ouvre des chichas. Mais on ne donne pas la possibilité aux scientifiques maghrébins. Wallah, ils s'expatrient toujours aux États-Unis ou un truc comme ça. C'est la fuite des cerveaux. C'est la fuite des cerveaux. C'est dommage. C'est vachement dommage. Franchement, parce que, bon, alors, comment ça va? Tu as quel âge, frérot? Là, je viens d'avoir 18 ans. 18 ans, mashallah, 18 ans. Mais t'es un surdoué, frère. Non, voilà, non, parce que je vois là en classe préparatoire qu'il y en a qui sont très très bons. Honnêtement, c'est... Non, viens ici, viens voir. Non, tu as quel âge? Techniquement, c'est impossible. T'as 18 ans, t'es en prépa, t'es en première année. Oui, en première année, c'est ça. Ouais, si, c'est bon. T'es quand, même rentré en prépa. T'es quand même rentré en prépa. C'est très très dur de rentrer en prépa. C'est très 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 dur. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup qui rentrent en prépa, malheureusement. Il faut s'accrocher, il faut aimer les maths, aimer les domaines. En parlant de maths, tu en as, qu'est-ce qu'ils sont cons? Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Il me dit, ouais, il a dit qu'il est né en 2000, il n'a pas 18 ans. Les frérots, quand je parle. Non, 2002. 2000, oui, mais quand je parle des 2000, des maudits 2000, je parle pas de l'an 2000, je parle de 2000 à 2010. Ah, ils sont bêtes, ceux-là. Ah, ouais, je suis d'accord, ouais. Qu'est-ce que, donc, t'as 18 ans et au niveau, tu as une meuf, t'as une copine, enfin, t'es... Ou tu penses qu'aux études, voilà. Non, mais pas... Il n'y a pas le temps, c'est les études, là. Tes études, frérot. Elles viendront après. Et franchement, frérot, elles viendront après, et finalement, plus elles viendront tard, et mieux c'est. Parce que frérot, si un mec comme toi, un cerveau, fuite de cerveau, il finit avec une lépreuse... Non, frérot, concentre-toi sur lui. C'est maghrébine ou rien, Bassem, c'est maghrébine ou rien. T'es un bon. Voilà, donne ton cerveau et ta semence à une maghrébine, frérot, c'est très bien. Les gènes, wallah, c'est très bien. C'est très bien, ça. Merci, frérot, allez, prends soin de toi, Inch'Allah, on se dit à la prochaine. Salam, frérot. C'est un bon, lui. Allô? Oulala! Ouais, frérot. Oh là là, frérot, on a appelé Chitane, Starfallah, frérot, ça m'a hâte. Oh là, t'as fait un rire. Allô? Allô? Salam? Allô, salam alaikum, Wassem. Non, toi, non. Toi, non, 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 non. Y'a quelqu'un derrière, il te touchait le boule. Non. Allô?
Allô, allô? D'accord, oui. Bon, tranquille. Ouais. Allô? Allô? Allô, Selem? Selem Bassem. Ça va? Ça va et toi? Tu peux me donner un mot de tes parents? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Je comprends pas, il est quelle heure? Allah, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Ta mère, elle est où? Elle est chez le voisin? T'as dit quoi? T'as dit quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais tu veux que je tombe à l'arbre? Astaghfirullah al-Azim! Vous voulez me coller ça aussi? Allô? Allô? Salam. Salam, ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je t'écoute. Je voulais parler de la... d'un quelqu'un, il a une grosse tête. Ah, moi? Non, un autre collègue à moi, il s'appelle Julien. Il a une grosse tête. Ouais, ok. Allô? Et allô? Salam. Ah, Bassem. Non. Ça va, Khoya? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. Je t'appelais ce soir. Ouh là là, Hamdou quoi? Hamdou quoi? J'ai pas compris. Hamdoullah. D'accord, ok, excuse-moi. Donc. Ouais, je t'appelais ce soir, c'était pour parler du vaccin. On peut ou pas? Ouais, bien sûr. Vas-y, fais péter ma chaîne. Allez, vas-y. Vas-y, frérot. Non, parce que là, tu vois, genre, ils sont en train de parler, tu vois, genre, le vaccin, il va arriver là, les prochains mois, gna 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 gna. Et. Genre, en gros, là, ce qui est sorti il y a pas longtemps, c'est qu'il y a le corona, il a muté. Ouais, donc, en gros, il s'est transformé. Comment tu peux trouver un vaccin sur un virus qui a déjà muté? C'est de la merde, déjà, quel virus il mute? Et comment ça se fait que tout se passe comme prévu? Mais frérot, c'est là où... Écoute-moi, te casse pas la tête. On va tous mourir un jour. Viens, on fait le vaccin, on s'en bat les couilles, nique leur mère, on... Dieu nous reprendra quand il le faudra, mais il faut pas rentrer dans ça, sinon on comprendra rien. On chie littéralement sur nos cerveaux, tous les jours, tous les jours. On chie sur nos cerveaux. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Nous, on le disait au mois de mars à la radio, je sais pas si je te rappelle, tout ce qu'on... Wallah, il y a une émission où je le dis. Il le retrouvera, les gens, ils vont le mettre. Quand je dis, vous allez voir, il va muter, il va se transformer, il va... Et regarde, on est en plein dedans. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et en plus, tu vois, genre, le vaccin, là, qu'ils sont en train de faire, c'est une nouvelle technologie, je sais pas quoi. Genre, ils l'ont jamais testé. Genre, c'est la première fois qu'ils font un truc mais comme ça. Mais c'est une nanotechnologie, ce vaccin. C'est une nanotechnologie, ce vaccin. C'est un truc qui rentre dans ton ADN, il modifie je sais pas quoi. Il modifie. Tu dépendras d'eux. On va être téléguidés par eux, frérot. Ils vont savoir ce que tu penses. Dans les entretiens, tu vas passer un entretien pour le taf, ils vont savoir, ils vont avoir toute une machine. Le détecteur de mensonges, il va être dans ton cul. Eh oui, frère, c'est comme ça. Et pour mettre tout ça en place, fallait trouver un sébeb, fallait trouver un truc. Fallait mettre cette maladie en place. Maintenant, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Et moi, ce qui me désole le plus, c'est quand tu rentres dans un endroit... Et Dieu m'en est témoin, je l'ai dit. Après, attention, je ne suis pas un devin, il y en a, ils parlent 10 ans avant moi, ils le savaient 10 ans avant moi, non, non. Quand je dis plus rien ne sera comme avant, quand tu arrives, tu n'as pas de masque, on te regarde comme si tu étais un renégat, comme si tu avais le DAS. Même le DAS, on a plus de compassion. Ça y est. Ça a marché, c'est rentré dans les mœurs. Alors qu'en mars, il disait, ouais, le masque, faut pas le mettre, ça sert à rien. C'est rentré dans les mœurs. Vraiment bien le verre, hein. TF1 et Joséphine, Ange Gardien, ont dit qu'il fallait. Ils le font tous, va dans les magasins. Il y a des SS, ils te suivent dans les magasins, juste pour te dire, tu peux remettre ton masque. Ah, va te faire niquer, vous avez pas mieux à faire. T'es là, tu me parles de masque dans un supermarché. Je peux même pas renifler la confiture bonne maman. Je peux pas. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais ouais, frère. Et ouais. Franchement, on est en plein dedans. La peur atteint les profondeurs, comme il a dit. Le frère, ce que je veux te dire, c'est que quand la vox populi est contaminée, il n'y a plus rien à faire. C'est fini. L'hystérisation de la société. Mort de rire. Je regarde une pub.
sur le Covid, sur un match de foot. Le gouvernement a fait un communiqué, tu sais, une pub qu'ils aiment bien faire, là, sur le Covid. Oh, faut voir comment le mec, il parle. Toi qui es en place, fais comme nous, prends l'appli. Ils disent plus l'application. Ils te tutoient maintenant. Toi, prends l'appli, fais passer à tes potes les Jones. C'est une dictature. C'est la dictature de Pyongyang. Bien sûr. On appelle des influenceurs, des influenceuses au gouvernement. Pourquoi faire ? Parce que ces sans-cervelles ont plus de pouvoir qu'un ministre. Moi, avec tous les défauts que j'ai, malheureusement, on me connaît mieux qu'un ministre. Les sidaïques, les lépreuses, les oxy, les ouzeb, là, les meufs qui sont refaites, là, celle, machallah, elle lit le Coran après le smenu, la putain de ta grand-mère, elle, là. Aujourd'hui, elle est plus connue que le ministre de l'Environnement. C'est faux, ça, quand même. C'est une pure réalité. Donc, on les appelle pour embobiner les jeunes. Pour leur dire, le vaccin, c'est bien. Mais moi, mais là, j'ai pas envie de te dire, le vaccin, c'est bien. Vaccinez-moi et cassez-moi pas les couilles. Cassez-moi pas les couilles. Parce qu'ils vont te casser les couilles. Wallah, ils vont te casser les couilles. Maintenant, genre, qu'ils ont lancé leur politique du vaccin, dès que le virus, il va muter, parce que le virus, on sait, il fait que muter en permanence, ils vont te sortir un nouveau vaccin. Là, tu vas te faire vacciner. Et dans 6 mois, ils vont te dire, le virus, il a muté. Il y a un nouveau corona, pour faire se vacciner. Et derrière, tu ralasses. Et puis, mais... les mecs, là, les Pfizer, les machins, ouais, des milliards et des milliards. Mais rappelle-toi, mon ami, rappelle-toi le 6 mars 2020, quand Macron, il fait son premier discours, on est en guerre. Putain, on l'a perdu, hein, je te le dis. Bref, ah, on ça, est en on guerre. Quand il dit, moi, je l'ai toujours dit, il y a une phrase que j'ai retenue dans son discours, c'est quand il a dit « quoi qu'il nous en coûtera ». On est en plein dedans. Mais bien sûr, nous allons éradiquer ça, quoi qu'il nous en coûtera. Ben sur nos sous, il n'y a pas de problème, quoi qu'il nous en coûtera. Et là, tu veux nous mettre une pastille, notre président, il est malade, il a le Covid. Évidemment, devant les caméras de TF1, il va se vacciner, tout va aller mieux, et ainsi de suite. Oui, mais Jacadi a dit... C'est grotesque. Maintenant, ce que les gens ne savent pas, c'est que le Covid est un levier. Un levier social. Un détonateur. Un levier social machiavélique. Oh, les gilets jaunes, vous n'êtes pas contents? Il n'y a pas de manifestation. Allez, Covid. Allez, hop. Allez, on reconfine. Plus de manifestation, rien. Eh oui, regarde, ça commence à manifester. Ça commence à tout niquer. Les gens, ils vont avoir faim un jour. Et tu ne pourras pas retenir un homme qui a faim. Frère, la plus grande catastrophe du Covid, socialement parlant, l'embellie, elle est finie. Au mois de janvier, mes frères, vous allez tous passer à la caisse. Tous. Au mois de janvier, on aura les premiers bilans. Pas qu'au mois de janvier, je pense. Si. Ça va commencer. On aura les bilans comptables de toutes les entreprises qu'ils ont fermées, de tous les dépôts de bilan, de tous les escrocs qui ont pris cette prime. Il y en a, ils vont tourner aux arrivants. Je vous préviens. Bon, ça va être une catastrophe sociale. T'as pas vu celle qui a ouvert un barbershop ? Une meuf toute jeune, toute jolie, sympathique, elle ouvre un barbershop, elle met toutes ses économies, il y a le Covid qui vient, la meuf, elle s'est pendue. 24 piges. Ça craint. Le pire, c'est qu'avec leur couvre-feu, tous les frères qui ont un snack, tout ça, les flics, ouais, ils viennent à 8h devant, ferme. Nique ta mère, ferme. Ça va être une catastrophe. Frère, alors, tu sais, il y en a un, il me dit, big dédicace, oh putain. On oublie, wallah, big dédicace, mesdames et messieurs, Mike, Moha 95, Emra 13, Théo Burns, KPM, Petit Cœur, Joe HK, Abdel BL, voilà, les voilà, la garde rapprochée, les membres à la bien.
Vous avez vu dans la room, machallah. Je vois Mentor, je vois. On a qui Goldmember. Ça, c'est les anciens membres, machallah. Ça y est, ils sont en commande maintenant. Big dédicace, on serre la pogne. Moi, je ne savais pas, hein, c'est pour ceux qui gèrent, mais bon. Frérot, j'ai envie de te dire. Je sais pas où on va aller avec tout ça. Wallah, je sais pas où on va aller. Ça va être une catastrophe. Le pire, c'est que quand tu regardes bien, tu te rends compte, c'est que le début. C'est vraiment que le début du début du début. Hein. Parce que ça va durer longtemps, cette histoire, ça c'est sûr. C'est une mascarade. On est dans la merde. C'est une mascarade. Mmh. Wallah, c'est une mascarade. En tout cas, on pourra pas lutter. Ça sert à rien. Ça, c'est pas sûr, hein, parce qu'au bout d'un moment, il va y avoir une révolte, je pense. Les gens, ils vont oui, mais la révolte... Quand il n'y a plus d'argent. Mais la révolte, on l'a préparée. Qu'est-ce que les militaires foutent dans nos villes? On l'a préparée, on la prépare, on sait ce qui va arriver. Pourquoi on veut éliminer la population mondiale? Peut-être qu'il y en a, avec le projet ARP, ils vont appuyer sur un bouton, tout l'hémisphère nord, il va être glacé. Il faudra migrer. Et on va tuer des gens. Bien sûr qu'on est trop nombreux. T'imagines si nous, les Européens, on va en Afrique parce que l'Europe, on ne peut plus y habiter. Ben, on tue tout le monde. On a ça dans le sang. Les Européens, les conquistadors, ils ont ça dans le sang. Toutes ces histoires de détermination de population. Écoute, frère, la meilleure... C'est l'histoire qui se répète, en fait. C'est l'histoire qui se répète. Alors, on va dire qu'il y en a. Il y en a, big dédicace à eux. Il y en a, ils te disent, mais Bassem, dans toutes les époques, il y a eu une zone trouble. Oui, en l'an 1000, vous savez que les gens, ils avaient peur de l'an 1000. Ils pensaient que c'était la fin du monde. C'est pour ça qu'à partir de l'an 1000, l'Europe a construit énormément d'églises et de cathédrales à partir de l'an 1000. On dit que l'Europe s'est couverte d'un blanc manteau d'église. Ça, c'était pour remercier Dieu qu'il n'y avait pas la fin du monde. Bon, peut-être que c'est rebelote, mais... Là, ce que je veux te dire, c'est que je vois pas l'issue. Ils ont mis dans la tête des gens la peur. C'est terminé. C'est fini. Comme au Moyen-Âge, les chrétiens, ils utilisaient l'église pour faire peur au peuple, pour asservir le peuple pendant le Moyen-Âge. Bah, bien sûr, frérot, le peuple, Jules César avait compris déjà à l'époque comment occuper un peuple du pain, du vin et des jeux. Nourris-les, divertis-les, t'inquiète pas, t'auras le pouvoir. Mais ça, on le sait, frérot. Maintenant qu'ils ont trouvé leur Covid, ils vont pas le lâcher. Hein. Mais ils vont pas le lâcher, je t'ai dit, c'est un levier. Socialement, ça va être un levier, c'est terminé. Maintenant, il y aura plus de... C'est fini. Vous manifestez, vous cassez les couilles, vous voulez bloquer la France, allez, c'est parti. C'est Covid, rentre chez toi. T'es pas content, les militaires, ils sont là. Ben ouais, bien sûr, tout est prédit, frère. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Dieu veille sur nous, Allah. Ah, Inch'Allah. Inch'Allah, big dédicace à toi. Merci de nous avoir parlé de ça, frérot. T'es un bon. Mesdames et messieurs, on revient demain. Big dédicace à tout le monde. Ah, big dédicace, vous êtes au top, petit top. Premier live de France. Eh ouais, bien sûr, avec du coca, la fume, la F. Big dédicace à vous. Merci à tous les membres qui sont là tous les jours, les bordéliques. Voilà, merci à la room. Merci les modérateurs. Merci à tout le monde. Sans vous, il n'y a rien. Il n'y a rien, mesdames et messieurs. Locomotive et wagons, ça va ensemble. Big dédicace. On revient demain, Inch'Allah. Salam alaikum, mes gens. T'arrives à un boulot pour moi? Ok, alors on appelle mon boulot. Ok, en italien.
Alhamdulillah. Ça va, ça va. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. Viens donc avec moi sur l'autoroute, on va voir. Je t'ai vexé.